Co avec Mehdi et toute sa bande. Le Mehdi Co avec Mehdi et toute sa bande. 21h-23h en direct. Sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux. Une production MZ Productions. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau Mehdi Co. Vous avez bien la petite bande. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Une émission masculine. 100% masculine ce soir. Mais Maria, elle est pas avec nous ce soir, on l'embrasse, mais elle nous a quand même fait une chronique. Donc elle sera comme si elle était avec nous. Vous allez bien, sinon ? Oui. Oui, très bien. Vraiment, je sais pas vous, mais... la neige arrive. La neige arrive. T'inquiète pas. On va bien se les cailler là. Je veux dire qu'on va bien, on va bien avoir froid. Ah là là. Alors mon petit Gaëtan, comment tu vas ? Tu sais que tu peux parler, hein. Félicitations, Gaëtan. J'aurais pu faire l'émission en mimant. En mimant ? Je crois que Gaëtan fait la grosse tête, Mehdi. Non. Dommage que j'ai qu'une main. J'aurais la deuxième de libre, je t'en aurais foutu une. Mais j'ai le bras un peu en vrac. Donc voilà. Je plaisante. La santé, comment ça va ? Bon, je me suis. Voilà. Un peu déplacé une clavicule, donc je peux vous dire que ça fait mal. Mais non, ça va mieux. Mais bon, je suis sous mes docs et avec un du jarrier. Mais je serai en forme pour l'émission de Noël, ne vous inquiétez pas. Je fais tout pour être en forme. Mais je dors beaucoup l'après-midi, mais sinon, tout va bien. À part ça, tout va bien. C'est pas grave. Devant le magasin de la santé. Oui, je serai en forme. T'inquiète pas pour ça. T'inquiète pas. En tout cas, j'ai déjà eu un du jarrier. C'est vraiment chiant à mettre. C'est très chiant à mettre. Mais heureusement qu'il y a ça. Si tu parles de quelqu'un, je pense que ta maman en quoi elle t'aide parce que t'as. Ah oui, mais je suis obligé parce que pour mettre la main derrière, c'est un peu compliqué quoi. J'arrive à récupérer devant, mais. Quand tu vois le prix, bon, heureusement, on a des bonnes mutuelles, des bonnes sécurités sociales. C'est plus. Enfin, une fois, j'avais pu voir le prix du jarrier. Mais moi je m'en fous, c'est pas moi qui paye, c'est ma mutuelle, donc c'est pris en charge à 100%, donc m'en fous. En tout cas, on en a parlé en privé, alors moi j'étais tombé en trottinette. Oui, c'est ce que tu me disais. La même chose que moi, donc en gros, entre guillemets, ils te shootent, t'as un ballon et ils te craquent. C'est plus qu'un ballon, c'est qu'ils m'ont shooté deux fois. J'ai dit, la première anesthésie, ça suffit pas, mettez un deuxième plus fort, s'il vous plaît, parce que... Oh, le mec, ouais. je le voyais venir, il me dit, ah non, on va pas vous anesthésier, j'ai dit, vous m'avez bien regardé, là, vous m'avez mon pain dans la gueule, par contre. Ah non. Ah, j'étais... Et en 30 secondes, il a pris mon bras, terminé. Et donc, c'était une sorte de ballon. Oui, c'est ça, c'est un masque. Après, t'es comme ça dans les nuages, et là, ça fait comme dans la scène des bronzés. Ah oui, là, il ne donne pas une claque cette fois-ci, mais il t'endorme. C'est encore mieux. Bon, après, on a des bons hôpitaux, et c'est vrai que c'est gentil ce que t'as mis par rapport aux hôpitaux, Croix-Rouge. Ah bah, j'étais étonné déjà quand j'ai appelé le SAMU social. Tu vois, j'ai du mal avec ça aussi. J'ai appelé SOS médecins qui sont venus chez moi. Le mec incapable, laisse tomber. Heureusement qu'on paye pas non plus ça, ceci dit. Donc j'ai appelé les pompiers qui m'ont orienté sur le SAMU. Et le SAMU m'a envoyé la Croix-Rouge. Mais on fait pas appel à la Croix-Rouge, mais heureusement qu'ils sont là pour nous sauver la vie. Parce que sinon, tu pourrais rester sur le carreau. Mais franchement, les soignants, heureusement qu'ils sont là parce qu'ils sont. J'ai vu aux urgences de. Parce que moi, c'est l'hôpital Bichat à Paris. Ils sont traités comme de la merde. Je peux vous dire que les gens, ils en ont que foutre. Mais heureusement que nos soignants sont là, donc faut quand même les respecter. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Ah bon, voilà, je dis ça, je dis rien. Demain soir, chère équipe, vous serez avec nous. On a une petite surprise, monsieur Viesiada, parce que la surprise, ça te concerne. Je peux te l'annoncer. Je vais te l'annoncer ce soir, docteur. Et tu l'as vu en story parce que. Non, il l'a pas dit, mais c'est pas le docteur Gérard Kerserk, Virgile. T'as pas de chance. Ah mince. Mais je veux pas te dire qui c'est. C'est un docteur, mais je veux pas te dire le prénom. Mais tu l'as pas vu parce qu'on l'a bloqué. On l'a tous bloqué pour pas qu'il voie la story, justement. Bah oui, mais on l'a bloqué exprès pour pas qu'il voie. C'est voilà. Docteur Gérard Kerserk, deux fois par semaine, le matin, il y a un télématin. Oui, je sais. Mais une petite surprise pour toi demain soir. Voilà. Ah, d'accord. Okay. Un psychanalyste. Oui, on peut dire ça. Un psychologue ? Non, il sera avec nous pendant 45 minutes. Pourquoi t'as besoin de psychologue, Virginie ? Non, un psy pour qu'il puisse nous endormir pendant une heure demain ? Il est là 45 minutes. Le docteur sera avec nous pendant 45 minutes. Donc, il faudrait bien que tu te concentres pendant 45 minutes parce que ça te concerne. On le fait venir exprès pour toi. Ah bon ? Voilà, il va te faire une petite séance de d'hypnose. C'est pour. Diététicien qui. C'est pour David, il a sommeil. Ah. Il rougit. David, qu'est-ce que t'as fait encore cette semaine ? T'as pas dormi encore ?
Oui. Alors j'ai travaillé. Ça va, on s'amuse bien. Alors ça... pour une fois, un samedi soir, j'ai rien fait. Oh bah yonk. Samedi dernier, j'ai rien fait, mais j'avais commencé du jeudi. Ah oui. Donc il y a eu jeudi, vendredi. Ça va, on s'amuse bien au travail avec les enfants qui te poussent sur une chaise. Ah oui, t'as vu la vidéo. Ouais. Oui. Bon, il a fallu 8 enfants. Ouais, non, il y a que Mehdi qui l'a vu. J'étais sur une chaise et il y avait 8 enfants qui me poussaient. Il y aurait eu un obstacle à la chaise, je finissais par terre. C'est fatigant, mais on passe des bons moments. Je vois ça, hein. Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Biesada? Toi, t'arrêtes pas de bouffer de la merde. Ça recommence. Ça continue. Non. Bah, est-ce que ça... Ça n'a pas changé. Il n'y a plus rien. Oui. Il n'y a plus rien. MDR. On va voir ça. Il n'y a plus rien pour l'instant. C'est juste la... J'attends la tournée des David, c'est tout. Ouais, ouais, mon œil. David, monsieur David vient sur Paris samedi prochain. Ouais. Qu'il soit à l'heure devant le TGV. Et c'est déjà à peine arrivé dans le Nord, mais c'est invité chez mes parents. Dis donc. Tu vas pas prendre le TER alors? Non, ouais, je propose, je vais regarder tout ça, mais pas le TER. Ou l'avion. David va prendre le TER en fait. L'avion, mais il n'y a pas d'avion de Paris pour aller à Lille. T'es à peine en haut, tu vas redescendre. Non, c'est trop court. Oh bah c'est plus que trop court. Lille Charles de Gaulle, c'est un peu court. Il va prévoir une belle tenue de soirée. Exactement. David va prendre vacances, comme le dernier mercredi de l'année, je suis pas là, je serai en vacances un peu avant toute l'équipe. Ouais, je vois ça. Moi, je connais David qui va prendre son TER le samedi soir et qui va rester habillé jusqu'à la soirée. Oh. Avec les mêmes vêtements. Oh le salaud, il va rester habillé avec les mêmes vêtements. Et toi, prépare ta tenue de soirée, parce que sinon c'est dehors, hein, midi, on a la fin. Oh, c'est dehors. Ah, c'est dehors. Ah là 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 là. Alors, monsieur Biesada. On va venir en pyjama. Il va y avoir quoi dans l'émission, Médic? Justement, c'est la question que j'allais poser, tu vois. Alors, monsieur Biesada, de quoi tu vas nous parler? Eh bien, de belles surprises. En plus, on se rapproche de Noël, donc ça augmente les belles surprises. Je vous laisse un petit peu le suspense de manière générale. On va tomber également donc sur beaucoup de films français. Voilà, encore beaucoup de nouveautés donc au cinéma. Encore des surprises, parce qu'il y en a toujours des surprises. Comme je l'ai dit, comme on se rapproche de Noël, tout le monde fait des surprises. Et voilà, principalement donc de l'inédit. À part sur Apple TV où on va retrouver des rediffusions. Et j'ai vu ce que tu m'as envoyé, parce qu'il m'a envoyé ses coups de cœur. Le premier coup de cœur que tu m'as envoyé, qu'est-ce que c'est que cette connerie là? Attends, il faudrait que tu m'expliques, parce que ce truc-là, je l'ai pas vu venir. Tu vas voir. Je l'ai pas vu venir, c'est ce truc. C'est pas quelque chose de faux au niveau de l'image, ce n'est pas un montage ni rien, c'est bien réel. Ouais. C'est bien eux, mais on va en reparler. D'accord, ok. Ah bah, hâte de savoir ça. Alors mon petit Virgile... Virgile, d'ailleurs, en parlant de ça, tout à l'heure, j'ai regardé un film, un bon film, avant qu'on ait un souci sur... Ah ouais, d'accord. Oh la merde, non mais on va juste vous expliquer, c'est qu'on a failli pas diffuser ce soir, on avait plus de radio. La radio était complètement... Il y avait plus rien. Donc j'ai dû régler ce problème en urgence. Quand je te dis en extrême urgence, c'était en extrême urgence. Donc, Et je sais pas si tu connais... The Family Plan. Si, j'en avais parlé avec Mark Wahlberg. Et j'ai regardé là ça tout à l'heure et j'aime bien, c'est vraiment pas mal. Et Virginie, j'en avais parlé. L'amour roux qui est passé à 4 millions au 5 millions d'entrées. C'est ça, plus de 4 millions tout à fait. Qui va donc atteindre et dépasser normalement les 5 millions avec le taux de prévision vu qu'il cartonne. C'est vrai qu'il a l'air d'être pas mal ce film. Parce que tout le monde il y a une bonne critique, donc je pense que... Ah là là. Tiens, parlons de l'amour ouf, David, de quoi tu vas nous parler dans ta chronique aujourd'hui? Alors, donc, on va parler de Média avec une émission. Alors, c'est tout ce qu'on en a parlé en off ou en antenne. On avait dit, il est temps qu'il change de décor, et ça a été annoncé il y a quelques heures. J'ai vu ça, j'étais content quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais ça peut-être temps. Je voulais en parler ce soir, vous verrez de quelle émission on parle. J'ai les invités, bon, c'est une émission qui nous ressort à Noël, c'est La Boîte à Secrets. Oh, bon, avec des invités sympas, mais j'ai déjà le nom des quelques invités. Interville aussi qui a fait parler de lui, c'est officiel, hein, donc en l'été prochain, j'ai encore plus d'infos. Oui. Un petit talent, peut-être devenu grand, de The Voice Kids. Qui commence à bien progresser, je vous en parle aussi. J'ai déjà la date de la Starac Prime tournée, très spéciale tournée. C'est très bientôt, j'ai eu la date.
Et on va parler, ça fait un petit coup de gueule, c'est l'élimination de la semaine dernière qui a été très contestée parce que quand les candidats choisissent, c'est stratégique. Voilà, on va en reparler. Non, mais moi, je commence à comprendre et il y a des choses que je... Voilà. Et parlons du prime tourné, cette année. Eh, David, cette année, moi, la tournée de la Star Academy, ils me voient pas. Hein. Oh. Ah, bah, moi non plus. Non, moi, c'est pareil. Il y a, je pense à Yuri, je pense qu'il en regarde. Non. Il va pas. Il y a plus de place VIP à Lille, moi, je vais même pas les voir. Non, mais de toute façon, moi, j'aime pas. Que la dernière avec Pierre et tout, on sortait en famille, on a dit, allez, on va. Ah, bonsoir Alain, comment tu vas? Notre partenaire RFZ, comment tu vas? Salut Alain. Donc, okay. Pour terminer, ben on va en parler en détail, c'est le Big Deal, Vincent Lagaffe, il y a une première vidéo qui est sortie. Ah, j'ai hâte de voir ça. Le décor qui est resté intact. Ah, j'ai hâte de voir ça. Le décor est pareil, bon, il est modernisé, mais le décor est resté le même. Voilà ce qu'on va parler. Et mon petit doigt me dit que c'est encore une production de chez Arthur. Voilà. Arthur a mis en story la roue de la fortune, le Big Deal, le pognon rentre. Et vas-y donc, et en plus, c'est bien marrant, ils sont sur le plateau l'un à côté de l'autre, comme par hasard. Ça et je pense que de plus en plus, il y aura dans la cité du cinéma. Où ils vont arrêter la plaine Saint-Denis. De toute façon, les studios vont être détruits. De façon. Et ça commence à être un peu insalubre. Oui, je pense. Mais la cité du cinéma, c'est fait que pour des films. Et je crois qu'il n'y a plus de films qui y tournent. Donc, ouais, il n'y a plus grand-chose. Ouais. Donc, en forme. D'ailleurs, j'ai une petite question. Concernant les 12 coups de midi, est-ce que vous pensez qu'à un moment ou un autre, ça va s'arrêter? Est-ce non. Est-ce qu'il y a un moment, TF1 voudrait changer un peu de thématique? Non. Non. Pas vraiment Jean-Luc Reichmann malade ou je sais pas, enfin. Non, voilà. Non. Non, mais peut-être que non, Jean-Luc Reichmann veut changer de. Non, ils changeront pas. Et je vais t'expliquer pourquoi ils changeront pas. T'as vu les audiences? C'est 4 millions, 5 millions, mais c'est énorme. En ils changeront pas. C'est sûr que ce sera jusqu'en mars 2025. Ah oui, parce qu'il y a David. C'est pas très. Et espérons qu'Emilien soit parti, mais ce qui m'étonnerait bien fort. Mais alors, bon. À Paris, l'Oscar d'Oen, j'ai essayé d'avoir des tops. Et tu l'as vu, du coup? Donc, je tourne ça en janvier. Oui, mais tu l'as vu, le gagnant? Le gagnant? Bah, celui des 12 coups de midi. Non, bah non, il l'a jamais vu encore. Là, c'est pas encore tourné. Il a pas tourné encore. Et façon, je ne le dirai pas, parce que je crois que j'ai des clés. Oui, je sentais le truc venir, moi, j'ai oui. J'ai peur que Dempsey me faisait « Tu l'as vu, mon cul ?» Oui, moi aussi, je sentais venir aussi, mais oui. J'ai senti venir. Dans le défi, non, t'inquiète pas. Tu fais « Tu l'as vu, mon cul ?» à quelqu'un d'autre. Oh, t'inquiète pas. Non, je dirais pas ça à l'antenne, quand même. Quand même, oui, on est quand même à l'antenne. Et alors, mon petit Gaëtan, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Bah, d'événements, d'expositions, et puis... Et puis, si jamais, au cas où, j'ai quelques petites infos aussi sport. Ok. Et ce soir, petite nouveauté, nous aurons un quiz orchestré par Dempsey. Alors, tu peux nous en parler, mon petit Dempsey, de ce que tu nous as prévu? Eh ben, je vais vous proposer 7 célébrités, 7 personnalités, et vous devrez deviner qui est cette voix. Ah, content de savoir ça. Ah oui, d'accord. Donc, on va... Du coup, j'ai choisi quelques extraits... que ça soit de passage en télé, en radio ou en série ou en film, ouais. Vraiment tout thématique, ça peut être voilà vraiment tout. Ça va être une petite nouveauté voilà avec chaque mercredi avec vous devriez deviner la voix. Voilà. Ah content de savoir ça. Alors mon petit Virgile, tu vas pouvoir commencer ta chronique et après la tienne on enchaînera sur celle de Maria après la pause musicale tout à l'heure. On t'écoute mon petit Virgile. Tout à fait, bienvenue dans cette chronique actu SVOD série et films de ce mercredi 20 novembre. Bonjour, on commence tout de suite par les séries, avec sur Paramount Plus, à revoir, Yellowstone, saison 5, partie 2. Voilà, si vous voulez voir Kevin Costner, vous l'adorez, il est déjà présent depuis la semaine dernière. Oui. Et disons que ça cartonne, en plus. En plus. Sur HBO Max, tout autre sujet... Là aussi, ça va cartonner normalement de ce côté-là. Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie. Pardon? Oh là là, il va falloir que j'aille voir ça, tiens, parce que c'est bizarre, ça. Dune, comme le film, prophétie. Ben voilà, ils en ont fait une série après les films. Ah, ça, en faut plus que j'aille voir ça. Aussi. Faut que j'aille voir ça aussi. Luther, saison 1 à 5. Sur Amazon Prime Video, Cross, saison 1. Jeff Dunham, Scrooges, Up, Holiday, spécial, saison 1. Oh, l'anglais, mon Dieu. The Men's Club, saison 5.
sur Netflix les saisons 1 de Adorian, Zombiers du 109, ça devrait faire plaisir à Dempsey, et Beyond Goodbye. Cobra Kai, saison 6, partie 2, et Rhythm plus Flow, saison 2. Sur Apple TV+, à revoir Silo, saison 2. Enfin, sur Disney+, Chinatown, intérieur, saison 1. Tell Me Lies, saison 2. Également. Voilà pour votre actu SVOD série. On va passer au coup de cœur, mais le coup de cœur, c'est... Je pense savoir ce que c'est, mais bon... Alors, le coup de cœur, il n'y a pas... Franchement, c'est une nouveauté, donc il n'y a pas à dire. C'est Harry Potter, les sorciers de la pâtisserie. Ok. Et pourquoi les sorciers de la pâtisserie? Faut que tu me dises, parce que là... On va expliquer. Alors, c'est un nouveau concept. Bon, c'est... Ça se passe sur la thématique d'Harry Potter. Donc, c'est un nouveau rendez-vous culinaire et fantastique, animé par les jumeaux Fred et George Weasley. Tiens donc, réunis des pâtissiers talentueux dans une compétition enchanteresse. Voilà, donc en fait, c'est une série de compétitions sur tout ce qui va être gâteau et composition de pâtisserie sur l'univers d'Harry Potter, à travers, bien sûr, la créativité et tout ce qui va vraiment ressembler, en fait. Ils vont créer, par exemple, des armureries, ils vont faire des tables, ils vont aussi recréer le château de Poudlard, donc ça va vraiment être top. Parce qu'ils ont déjà fait plusieurs trucs avec Harry Potter, il y a eu le tournoi des sorciers, ils ont fait plein de trucs autour, et là, d'ailleurs, c'est HBO ça. Max, ils préparent plus qu'une série, parce qu'il va avoir, je sais pas combien de saisons, sur Harry Potter, mais quand il est prêt. Ouais, c'est une autre série, mais ça, c'est une série qui va être basée, du coup, sur la vraie histoire d'Harry Potter par rapport au film. D'accord, ok. Mais là, vraiment, on est vraiment, en fait, c'est donc sur une série qui est en parallèle par rapport à tout l'univers magique d'Harry Potter, okay. À travers vraiment des trompe-l'œil. Tu vas avoir donc un gâteau qui va ressembler donc à un château, une chaise, ça va être comestible. Ok, donc, et ça, c'est sur HBO Max. HBO Max, tout à fait. Okay. Et là, tu auras le choix parce que... Bah, ils vont être en compétition et tu vas avoir donc 9 équipes. Donc 9 équipes qui vont tourner à faire des créations. Donc tu verras de tout. Mais en tout cas, beaucoup de stress. Ah bah oui, HBO Max, forcément. HBO Max, c'est la Warner. Bah oui, forcément. Bah oui, tout à fait. C'est la Warner. Warner Discovery. C'est pour ça que vous allez pouvoir retrouver Harry Potter dessus. D'accord, ok. Voilà pour mon coup de cœur. Ah mais on passe à la suite. Rire. On passe tout de suite donc aux plateformes SVOD Films avec sur Paramount Plus à revoir en documentaire Largeur Van Life, plongée nostalgique au cœur des boys bands. Sur HBO Max, Inglorious Bastards. Inglorious Bastards, s'il te plaît. Parce que... Oui, mais moi je l'ai dit à la française. Ouais. Heureusement que Maria n'est pas là. Hein. Oh putain, Maria, tu es là encore. Tu reviens. Hein. Ouais. The Flash, Blood, Diamond, Elysium, Le Pianiste, L'Intervention, La Rage au Ventre, Photo de Famille, Les 8 Salopards, L'Étrange de Benjamin Button. Je t'en prie, on a eu la les trois salopards, je t'en prie quand même. Les 8, encore mieux. Les 8, ouais. Encore mieux, ouais. Sur Amazon Prime Video, Call Me Be Your Name, Catch Me If You Can, oh là là. The Boy Collet Christmas, Made in Italy. Heureusement que pour Noël, je t'ai pas prévu des titres en anglais, hein, parce que franchement... When Love Strikes, Pineapple Express, Love Actuality, Le Getter Big Game, The Program, Forrest Gump, et Forrest Gump en plus. Voilà, en plus. Le meilleur. Précisons que son dernier film est actuellement au cinéma, et c'est toute l'équipe de Forrest Gump qui est actuellement donc au cinéma. Les plus belles années de nos souvenirs, précisons le film. Hier, sur Netflix, The Merry Gentleman, Mes parrains sont magiques, un nouveau souhait, JT Max, en documentaire Nos océans, Les enfants perdus 40 jours dans la jungle, By Now, c'est Marc qui nous manipule, ainsi qu'en stand-up, UNT, Adam Ray, Docteur Comédie, Phil Spécial. Sur Apple TV+, à revoir, Before. Enfin, sur Disney+, un conte de Noël, ou presque. Voilà pour votre actu SVOD des films. Parlons Disney+,
Ça va s'arrêter au mois de janvier sur Canal+, et je crois qu'ils perdent le contrat aussi avec Apple TV+, aussi, Canal. Ils vont perdre pas mal d'abonnements, donc c'est ça. Oh, ça, je m'en fous, moi, j'ai... De toute façon, Apple TV, il n'y a rien dessus, alors... Alors, pour ceux qui ont des abonnements Apple, c'est compris dedans, alors... Voilà. Ah oui, c'est ça. Donc, précisons, donc une petite parenthèse sur Disney+, prochainement, d'ici un mois et demi. Tous les anciens contrats et les partenariats avec les offres d'abonnement chez tous les anciens opérateurs et ainsi distributeurs de SVOD comme Canal+, etc., tout va disparaître. Voilà. M'étonne pas. Et pour les nouveaux contrats qui ont été signés il y a 3 et 6 mois en arrière, ces offres n'expirent pas. Il n'y a aucun impact sur les offres actuelles. Ah, c'est voilà. les anciens clients, quoi. Ouais. Précisons que chez Orange, il n'y aura aucune modification d'offre, pour préciser. Ah non, mais Orange, c'est le numéro 1, c'est le transporteur. Le distributeur numéro 1, pardon. Donc, ouais. Comme du coup, ils sont rentrés en négociation récemment avec Disney+, ouais. Il n'y aura pas d'annulation de contrat. D'accord. C'est okay. Tout récent. Voilà. Ok, bon, on passe au coup de cœur. Pour les autres. Donc, pour le coup de cœur, alors, qu'est-ce que je vous ai sélectionné? Alors, pour le coup de cœur, c'est The Merry Gentleman. Alors, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'histoire d'une jeune femme, Ashley, qui apprend que ses parents sont endettés. Ils vont devoir fermer leur salle. Elle décide d'organiser une revue masculine sur le thème de Noël. Ah bah oui, en plus, on parle de Noël. En plus. Elle embauche donc Luc, le serveur de la salle, et son beau-frère. Donc, Luc, mal rasé, qui fait plus père de famille en manque de sommeil que lycéen, s'apprêtant à disputer un match de basket. Donc là, on parle de Luc. Voilà. Il y a une dégaine un petit peu de personne fatiguée et qui n'a pas l'air de trop se laver, on va dire. Voilà. On va dire ça, ouais. Et fatigué aussi. Hein. Mais il n'est pas le seul à donner de sa personne en termes de danse et de plaquettes de chocolat. Loin de là. Donc, ben, bien sûr, ce film est sur la romance, sexy, humour, le tout dans une ambiance festive de fin d'année. Voilà. Donc, The Merry Gentleman est le divertissement bon enfant, parfaitement pour la saison et amateur de films de Noël. Et il est bourré de clins d'œil en plus. Volontaire ou non, les deux sont mélangés, mais qui seront donnés un coup de fou rire aux nombreux fans de Chad Michael Murray, qui entre autres dans ses rôles des Frank Scott, rappelons-le, ou encore Riverdale, et qui a tourné dans beaucoup de films du Prince Charmant de Noël ces dernières années. Donc vous allez pouvoir passer un bon moment de diversité et puis de rire à travers ce film. Ok. Voilà, et que d'ailleurs vous pouvez donc retrouver sur Netflix. Ok, merci Virgile, on te retrouve tout à l'heure pour la partie des sorties ciné. On va pouvoir un peu parler média avec toi David avant de lancer la pause musicale, on t'écoute. Le son David, ça serait trop mieux avec le son quand même. Je pensais que c'est la chronique de Maria. Non, tout à l'heure parce qu'elle est un peu longue sa chronique, donc on fera ça un peu après la pause musicale, on t'écoute. Alors, en parlant de média, donc je disais, on en avait parlé à l'antenne ou en off, hein, on en avait marre du décor d'une certaine émission. Oui. Mais dis, j'ai repartagé dans ma story et t'as dû rigoler parce que Nagui a annoncé il sera peut-être un temps, nouveau hein. Décor prochainement, en fait, pour 2025, hein, parce que là, ils ont déjà tourné, pour Noël. Nouveau décor de N'oubliez pas les paroles, je crois qu'on avait rien, mais au moins 15 ans que ça existe et c'était le même décor. Il serait peut-être temps quand même, le plateau avait déménagé, mais c'était le même décor. Et là, donc, nouveau plateau, et Nagui a annoncé une bonne nouvelle au public, et ben, Virgile, comme tous, hein, on a déjà été dans le public d'une émission, il y aura des accoudoirs. Des dossiers aussi, ouais. Des accoudoirs et des dossiers, donc Nagui a annoncé ça. Tout va changer, l'orchestre, les ambianceurs. Ah, ce serait peut-être temps, parce que... On va faire du bien à l'émission, je pense. Mais il faudrait peut-être changer aussi le générique, faudrait peut-être changer le logo, faudrait peut-être qu'ils renouvellent un peu tout, quoi. Ouais, la mécanique de l'émission aussi, ouais. Parce que franchement, c'est un peu vieillot quand même. Moderniser quand même, donc voilà, nouveau décor, donc de N'oubliez pas les paroles, à voir prochainement. Et il était temps, je pense. Oui, je pense, mais au bout de 15 ans, tu m'étonnes. Ouais. La boîte à secret, donc une émission, on est encore sur France Télévisions, donc il va revenir. La boîte à secret, il y a déjà quelques invités, donc c'est tourné à la fin du mois. Il y aura Théo Curin, donc ça c'est par rapport à Sam. On va revenir sur son accident, etc. Donc, le monsieur qui a un handicap avec ses bras. Il y avait Boudère aussi, je crois, non? Pas ça? Il y aura aussi Boudère, j'ai vu Isabelle Boulay et Laurie. Et je sais pas si vous avez vu, alors j'ai vu ça sur TikTok. C'est une émission belge, il y a Christophe de Savane sur RTL TV Télévis. Et j'ai trouvé une émission intéressante où il a été à la rencontre de Laurie, il a été voir ses parents.
Laurie sera invitée. Laurie a commencé à annoncer sur les réseaux. Elle repartira en tournée 20 ans après. Ah oh, la vache. 20 ans ouais. après, voilà. Et là, je sais pas si vous avez regardé, tout le monde veut prendre sa place. Donc avec Cyril Ferraud, il y avait un fan. Oui, un j'ai fan vu. De Laurie qui était là avec son t-shirt, etc. Qui est Laurie au téléphone. Laurie le retour. Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses 20 ans après qu'on revoit. Bah, la Starac qui revient 20 ans après. Etc. Mais là, je pense que ça va être la dernière saison parce que cette saison, elle est pas. Ouais, là, c'est pas, c'est pas ouf. Starac, on va en reparler après. Mais Laurie, alors je sais pas si vous vous en rappelez, hein, mais c'est mieux, voilà, Laurie. C'est vrai que ça a été plein de succès, plein de chansons qu'on connaît. Oui, tout à fait. Ça vous parle, ça vous rappelle des souvenirs. Oui. J'ai une anecdote sur Laurie, c'était à Dream Team, l'émission préférée à Mehdi. Elle était dans le jury, et j'ai été la veille pour essayer de faire des selfies pour les répétitions. Et je vous jure que c'est vrai, ma main a coupé. Je n'ai pas reconnu Laurie. En fait, elle n'était pas maquillée. Et c'est le vigile qui a fait comprendre, il savait que c'était là pour les photos, qui m'a fait limite regarde. Et c'était Laurie. Franchement, je vous enverrai la photo. C'est vrai que maquillée, pas maquillée, comme vous. Bah, comme tout le monde, hein. Y a le ravagement de façade avant. Hein. Vraiment banal, bon, très gentil, mais très banal, on va dire. Ouais. Elle est souvent malade. Elle est souvent malade en hiver, d'ailleurs. Voilà. Mais comme tout le monde, hein, je pense. Ouais. Mais elle va aller sous un air latino et au soleil. Ouais. Ah, oh, je te jure. Allez, on reste sur France Télévisions encore, Nagui aussi, parce que Interville, donc ça revient, ça a été confirmé. Il y aura 4 émissions qui vont être tournées, bien sûr, sans animaux. Sauf que aussi, il y a une vingtaine d'années après que ça revient. Ouais, mais il y a pas mal de villes qui n'en veulent pas. Hein. Ouais, ça va être du boulot, du montage, du démontage, des hôtels mobilisés, des équipes techniques. Mais c'est surtout que, si, il va y avoir des animaux, mais en numérisé, là, tu sais, ça va être une merde de fini, ça. C'est pas pareil, donc... Comme Fort Boyard, c'est n'importe quoi. Et en parlant de ça, bah, y a quelqu'un qui avait critiqué Nagui. Nagui, alors je sais pas si c'est lui, un community manager, qui avait... Donc quelqu'un qui a critiqué par rapport aux animaux, et Nagui a répondu. Bah, je t'inviterai sur l'émission à un haters. Voilà, Nagui qui a voulu répondre et un peu se faire parler. Moi, je suis d'accord, c'est que, bon, Interville sans vachette, c'est pas... C'est pas Interville. C'est pas pareil. Je suis désolé. Excuse-moi, ils tuent pas le taureau, hein. Qu'est-ce qu'ils vont... Qu'est-ce... Vraiment, non, mais ça sert à rien. Dans ce cas-là, qu'ils ne font pas Interville, dans ce cas-là. Parce que, excuse-moi, mais ce n'est pas Interville. Ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de maltraitance. Moi, je te parie, les audiences d'avance, 500 000 téléspectateurs, pas plus. Et encore, je suis gentil. Et TF1, ils vont claquer un gros truc en concurrence ce soir-là. Ah, ils vont mettre un truc en face, ça va être terrible. Ah non, mais c'est n'importe quoi. Ça fonctionnera pas, ça. J'avais dit à l'époque de Jean-Pierre Foucault, Julien Lepers... Ah, mais ça a combien de... Interville, ça a combien de temps, David ? Non. Ça fait plus de 20 ans. Je crois qu'ils vont aller dans chaque ville, je crois. Oui, il y a 20 ans. Il y a 4 émissions. Et pour l'instant, il n'y a que 4 programmations. Ça ira pas plus loin. Parce que du coup, il y a des villes qui ont refusé Interville. Ils ont bien fait. Ça coûte, les équipes techniques, les normes. Je crois qu'il y a Béziers, qu'ils avaient fait une demande à Béziers, mais c'est refusé par le maire. Le Futuroscope, c'était refusé aussi, je crois. Le Futuroscope, ouais, où il y aura les licences. C'est n'importe quoi. Ça, c'est encore du grand Nagui, comme d'habitude. On verra ça l'été prochain. Hein. Ouais. The Voice Kids, allez, je pars sur TF1, il y a un talent. Alors, il n'avait pas gagné ce garçon qui s'appelle Timéo. Il a fait la première partie, notamment, de l'Olympia au collectif Métissé. Il fait des petites scènes ouvertes de radio. Il s'appelle Timéo, il chante Petit Canaillou. Il est aussi un peu connu sur les réseaux. Et là, il vient d'être repéré et il va rejoindre la tournée Je vais t'aimer. Comme Axel, comme Lucie. C'est vrai que... Bon, après, je me dis, est-ce que cette comédie musicale, c'est pas un peu du recyclage? De toute façon, Axel, il a fini, là. Il a fait sa dernière date ce week-end, je crois. Axel, ouais. Donc, Julien aussi, qui est revenu sur le plateau de la Starac, mais voilà, la base de Starac, c'est dans quelques instants que je vais vous en parler. De la Starac Academy. Voilà, donc je vais vous parler d'un petit talent, voilà. Petit aparté aussi, je suis encore sur TF1, c'est HPI saison 5. Ah. On est actuellement dans le Nord. Oui, bah, de toute façon, ils font que dans le Nord, alors. Pourquoi? Hier, elle était en tournage à 20 minutes d'ici, donc à Bailleul, où je suis dans le Nord, elle a tourné à Terre des Games. Bon, un tournage dans le froid, parce que franchement, attends, etc., on se les pèle. Mais j'ai pas été pour la photo et même se travailler, mais voilà, elle tourne dans la région. On annonce une dernière saison. Il y a eu une interview sur une radio locale, Delta FM. Voilà, ce serait la dernière saison, les équipes sont tristes, mais je me demande si ça va pas être la saison de trop. De toute façon, elle est enceinte, elle a le bébé, voilà, qu'est-ce qu'il y aura par la suite. J'ai jamais regardé une seule saison de cette série. Je te ferai cette erreur. HPI qui est en tournage. Oui, précisons que David va y aller en douce. On va voir, on va voir. Mais en tout cas, Audrey Fleurot est très gentil, et voilà. Donc, dernière saison d'HPI.
Et un petit aparté, ce soir sur France 2, j'ai un œil devant et j'ai la télé qui est là-bas. Et je regarde entre deux, c'est Signalement sur France 2. Et ça a été tourné aussi à Bayeul. Enfin, il y a beaucoup de choses dans le Nord qui ont été tournées. Signalement, bah, je vous invite à le regarder en replay. Ils vont parler d'enfance maltraitée, de l'aide sociale à l'enfance. Il y a même un débat après. Et en fait, ils ont transformé la mairie, que Mehdi a déjà vu en vrai, la mairie de Bayeul, où on avait vu un tournage derrière. Ouais. Et en fait, la mairie est transformée en tribunal. D'accord. Voilà, donc, la mairie est hey, David, la mairie, c'est un tribunal. Tu sais quoi? On va faire une petite pause musicale et on revient dans quelques instants et tu nous finis ta chronique. Allez, n'oubliez pas, on revient dans... Voilà, exactement. On revient dans quelques petites minutes. À tout de suite sur vos radios. Le Mehdi & Co revient dans quelques instants. Juste après ça. Juste après ça. Le Mehdi & Co avec Mehdi et toute sa bande, 21h-23h en direct, sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux.
Et voilà, nous voilà de retour dans le Medienco. On était dans la chronique de David. On te laisse continuer ta chronique, mon petit David. On parlait un peu de la Starac, je vous parlais du talent de The Voice Kids et de séries qui sont tournées dans le Nord. Le prime de la tournée serait dans 15 jours, donc selon Twitter. Donc là, c'est vrai que les candidats, ça commence à être éliminé. On parlait un peu en off, la tournée qui donne moins envie. Il y a beaucoup de téléspectateurs qui sont nostalgiques de l'ancienne saison. Et on va parler aussi de l'élimination contestée de la semaine dernière. Alors en fait, il y a eu Charles qui a été sauvé par le public, mais c'est Emma, qui, elle, aurait été éliminée stratégiquement parce qu'elle était forte, elle avait un bon timbre de voix. Et c'est vrai que c'est un peu contesté cette partie de l'élimination d'un candidat. Donc il y a le public, ok, mais la deuxième partie, c'est les candidats. Il y a eu un ex-écho et c'est Charles qui a décidé. Et ça a été contesté parce qu'elle est assez forte, etc. Et il y aurait, selon la prod, trop de filles. Donc ils commencent à éliminer beaucoup de filles parce qu'il y aurait un peu trop de filles selon le quota ratio garçon-fille. Je vois ce que t'en penses, Mehdi. Est-ce que t'es pour cette épreuve? Excuse-moi, parce que je suis en train de discuter en même temps sur Instagram, parce que je suis en train de recruter un community manager pour gérer nos réseaux. Donc il est en train de me parler. Tu peux reposer ta question. Excuse-moi, David. Repose ta question. Non, je parlais par rapport à l'épreuve d'élimination. Déjà, moi, je préférais d'avoir. Moi, Emma, ça aurait pas dû être elle. Déjà, moi, cette histoire de faire voter les élèves, qui pour qui. Non, c'est le boulot des professeurs. Ils sont là, ils ne foutent rien. Entre guillemets, pendant les primes, c'est à eux. C'est une détente. C'est une détente pour eux. Mais c'est à eux, c'est leur boulot. C'est pas aux académiciens de voter pour qui et pour qui. C'est compliqué, ça. Parce que là, Emma, ça a été fait parce qu'il y a eu un ex-écho entre les deux. Il fallait que c'est Charles qui a été repêché qui devait. Non, ça aurait dû être le directeur qui a le dernier mot. Je suis désolé. C'était un peu stratégique parce qu'elle était assez forte, elle avait un beau tableau. Elle s'était juste un peu fauchée sur les. Regarde les éliminés de cette semaine. Il y a encore Charles et encore Maceo. Ouais, aïe, ça, je te dis, le Charles, cette semaine, il dégage. Ça, je le sens aussi. J'aimais bien après. Non, moi, c'est pas que j'aime pas. Trop jeune. C'est pas trop jeune. C'est, cette saison est pas ouf. C'est pas ouf. Les primes, on se fait chier. On se fait chier pendant les primes. Excuse-moi. Excuse-moi. C'est pas exceptionnel. C'est pas ouf. C'est l'année dernière. Moi, je loupais. Okay. Je regarde même plus le live. Je regarde même plus le live sur TF1 Plus. Pour te dire, ça ne m'intéresse plus. Là, l'histoire. Là, par contre, c'est vendredi ou samedi cette semaine? C'est samedi. Là, une spéciale Grégory Le Marchal. Oui. Là, ça va être. Mais comme d'hab, il y aura du Jennifer, du Patchy, du. Excuse-moi, qu'est-ce qu'il venait faire sur le plateau, Jean-Pascal, ouais. Jean-Pascal, excuse-moi. Ils ont. Le costume, il a dû payer une blinde. Mais non, c'est le costume. C'est le costume de Massinger. Ils l'ont emprunté à Massinger. Ah, ok, d'accord. Donc, Dempsey. Mais on est un peu perdu un coup c'est samedi, un coup c'est vendredi. Parce qu'il y avait des matchs. C'était vendredi la semaine dernière à cause du match. Oui, il y a eu le rugby, mais. C'est vrai que les élèves, ils sont un peu pris de court et vite les évaluations, vite les répétitions du prime. Ouais, non, mais moi, ça m'énerve. Voilà, donc c'est pas une saison, on va dire, exceptionnelle, on verra bien. Je vais dans le public dans un mois, je vais essayer de tenir mes jambes, car on va être une paire d'heures debout. Ouh ! Ah, voilà, les nominés de cette semaine, c'est Maya, Maceo, Ulysse. Encore Ulysse ? Ouais. Ah non, il n'y a pas ça. Non, c'est Maya, Maceo et Ulysse cette semaine. Ah, je pensais que c'était Charles, pardon. Non, mais c'est. Là, à mon avis, cette semaine, moi, la Maya, j'ai du mal avec la Maya, elle n'a pas une voix. Tout le monde pensait qu'au prime surprise, il n'y aurait pas eu d'éliminé, etc. Mais bon. Bah, si, bien sûr que c'est. C'est comme un prime ancien, un prime tourné, un prime de Noël, un prime du Nouvel An. Ouais. J'aime pas cette saison, je te le dis. On verra bien, c'est pas la dernière ou quoi. Ouais. Et pour terminer, une émission, 20 ans après, le Big Deal. Donc, il a commencé à tourner. À part la photo du plateau, j'ai pas trop de suite, pas trop d'autres. Non, c'est très, très fermé. Ouais. C'est un peu secret, peut-être. Ouais, je pense. Enfin, donc, il y en a qui y assistent, je vois quelques messages. Bon, c'est plus le budget d'avant. De toute façon, on avait vu, pour être candidat, ils remboursaient même pas les frais de production. Oh, les stories, déplacement. Trop compliqué. Donc, les cadeaux, c'est plus les mêmes, parce que j'ai vu un peu en commentaire sur TikTok. Bon, les gens passent un bon moment, Vincent Lagaffe est top comme d'habitude.
C'est vrai. Voilà. Ah, Pikachu, pardon. Ah bah alors, David. Ah bah, dis donc. Avec le Covid va revenir. Ah ouais, il y a le Covid du Nord qui est déjà revenu. Alors, les enfants sont malades. Ah là là. Voilà, voilà donc ce qu'on pouvait dire pour la partie Major et hâte de voir le nouveau plateau de N'oubliez pas les paroles. Exactement. Bah tiens, on va enchaîner sur la chronique de Marie. Elle n'est pas avec nous ce soir. Elle nous a fait une belle chronique autour des médias. Non, des people. Allez, on s'écoute ça et on regarde ça pour ceux qui sont avec nous sur le live. Bonsoir Marianne, nous sommes dans la chronique People avec toi. Tu n'es pas avec nous ce soir en direct, mais on a enregistré ta chronique en condition du direct. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va. Je suis... mes vêtements de tout à l'heure sont prêts. Donc je ne vais pas tarder à non plus à y aller. Ouais. Et parce que, comme quoi vous pouvez savoir que je ne suis pas là parce qu'il y a un concert événement de solidarité pour une fondation dont j'ai oublié le nom et on m'a invité professionnellement. Donc, ah, ça c'est sympa ça. Donc, et après le concert, il y aura un cocktail avec des rencontres, presse. Donc, ce sera un beau événement. D'accord, et je crois que t'as pas mal d'actu média, people, j'allais encore dire média, people, tu vois, faut que je fasse la différence. Ah oui, people, j'ai eu beaucoup d'actualités people, et j'ai fait, pour te dire, j'ai noté des choses, et j'ai stabiloté aussi ce qu'il fallait dire, parce qu'il y a eu aussi des rebondissements avec Liam Payne, ouais. Pas Harry Style, j'allais dire, hein, le prince Harry, Meghan Merkel, Mika, Julien Burger, et donc on va en parler et bien sûr il y aura des nouvelles de Denitsa Ikonomova qui est devenue maman donc et on va commencer par le prince Harry et Meghan Merkel qui soi-disant seraient divorcés depuis quelque temps. C'est n'importe quoi ça. Il y a des rumeurs qui courent que Harry va à des événements solo comme le si je relis mes notes, les Invictus Games, Center Bay et Wild Child, des associations qui... Donc il apparaît solo. Et Meghan Merkel poursuit des projets entrepreneuriaux dans le lancement de sa marque Lifestyle, American Riviera Orchard et d'une nouvelle émission Netflix. Et il y a des rumeurs comme quoi ils vont sûrement déménager en Europe ou Portugal. Oui, ça, j'en avais entendu parler de cette histoire. Mais ça va se faire, parce que je pense qu'ils en ont marre des États-Unis, je pense. Bah, je pense que oui, parce que je pense que après qu'il y a eu le Donald Trump élu, je pense que c'est... Ah bah oui, ça leur a fait peur, tu m'étonnes. Il y a une possibilité. Hein. Je pense que c'est ça, oui. Donc, bien sûr, en résumé, Meghan et Harry semblaient vouloir réinventer leur vie tout en restant au centre de l'intention médiatique. Franchement, c'est un prince, d'accord, mais pourquoi faire une explosion ? Ici, on a l'impression de se voir dans... James Bond, je me cache par-ci, je reviens par-là, je fais ci, je fais ça. Ça devient... Moi, ça m'énerve. Le prince Harry et Meghan m'énervent. Son frère William, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Oui, c'est il ça. Il est pas aussi, il est pas discret, lui. Il vit sa vie avec Kate. Après, ils sont aussi discrets sur leur vie, ce qui est normal. Mais là, c'est un peu trop, je trouve. Là, c'est un peu trop, là. Mais je pense qu'il y a aussi, c'est Meghan aussi qui veut se mettre en avant. Mais il faut savoir que t'es Meghan. Il faut savoir qu'elle est aussi mariée avec un prince. Faut qu'elle mette. Ouais, mais c'est Meghan qui est en train de le transformer, je crois. Pourquoi? D'accord, mais pourquoi avoir cette sensation d'être tout le temps dans la médiatisation alors que tu peux être rester aussi discrète? La dernière fois, elle veut que ça. Elle cherche que le buzz, pas le buzz, mais être reconnue, être vue. Tu vois? C'est, je sais pas pourquoi. Ça, c'est un truc que je comprends pas. Après, c'est la vie de. Il est quand même prince, donc. La médiatisation, il sait, mais je pense qu'il essaye d'être moins sous les feux des projecteurs. Mais bon, en tant que prince, il n'a pas le choix. Il fait partie de la royauté, entre guillemets, même s'il a été exclu de la famille. Mais bon, il porte quand même le nom de son père. Donc, il a quand même un père roi. Donc, je me dis,
Après, oui, et dis-toi que Diana, la princesse Diana était aussi décédée due à la médiatisation. Ça aussi, c'est des histoires avec la princesse Diana qui sont un peu très très bizarres. Mais bon, tout le monde, elle était adorée du public, elle. Hein. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Ben, je vais parler du heureux. Bon, il y a eu des rebondissements cette fois-ci du décès de Liam Payne. Comme quoi, je vais refaire un brainstorming. Vous vous souvenez, il est décédé le 16 octobre à Buenos Aires, après une chute depuis le balcon de sa chambre, dû à des cocaïnes roses, soi-disant. Soi-disant. Et son corps. Tu vas rigoler, mais pour moi, c'est un gros coup de gueule parce que son corps a été réparpillé partout au Royaume-Uni. Ah ouais, d'accord. Il a été incinéré, ils veulent mettre les cendres. Mais c'est quoi ce... Ouais. Tu dis, c'est un peu spécial. Et c'est très spécial. Et il y a eu des... TikTok, je vais mettre un gros coup de gueule sur TikTok parce qu'il y a eu des rumeurs comme quoi ce n'est pas lui qui aille sauter du balcon. Donc, et il manquait de respect auprès de la famille en disant que les funérailles auraient été présentes aux funérailles de William Payne, il y aurait eu le prince William alors qu'il n'était pas là. De toute façon, ils adorent raconter de la merde. Excuse-moi, hein, mais ils adorent raconter de la merde de partout, de toute façon. C'est un manque de respect. C'est TikTok, je dis, mais attends, alors que... Il y a un mois, ça s'est passé il y a un mois, pour Liam Payne. Ouais. Sa famille est en deuil, et ses anciens membres aussi. Qu'on dise que c'est pas lui, alors bah attends... L'autopsie a révélé que... Attends, ils ont fait une autopsie. Ils n'ont pas autopsié le corps d'un vivant, quand même. Ils sont pas débiles. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu peux pas dire que c'est pas lui qui a... Non, mais... Incroyable. Et ça, c'est mon gros coup de gueule de ce soir. Ah bah, je comprends. Hein. Je comprends. Hein. Et j'entends bien aussi les fans de Liam Payne en disant, mais d'où TikTok ou d'où les personnes qui sont en manque de respect envers Liam Payne? Alors que... Il y a la preuve. C'est marqué noir sur blanc. Et la communauté musicale et ses anciens compagnons de One Direction sont également en deuil, ce qui est vrai. Et là, en top 8, je vais parler de Angelina Jolie et son fils Knox. Mais pourquoi son prénom s'appelait Knox? Mais bon, je... Ouais, sans commentaire. Sans commentaire. J'étais assez surpris parce que c'était depuis Knox, son fils âgé de 16 ans a été absent du tapis rouge de 2021 et il a été présenté avec un smoking très élégant. Si vous voyez la photo, il y a une ressemblance entre son fils et Angelina Jolie. Entre le visage et son oncle maternel, c'est frappant. On se dit mais ils sont, c'est impossible que ça soit son fils. C'est son, on dirait son frère. Donc après les enfants, ça peut ressembler à que ce soit la mère ou le père. Mais bon, c'est en plus elle est. Mais son fils, il a quel âge maintenant? Parce que il a 16 ans. Elle a quel âge? Elle doit avoir dans les 50 et quelques, je crois, non, maintenant. Comment? Dans les 50 ans, au moins, non? Mais 60, je dirais. Attends, bah on va regarder en direct pendant qu'on se parle. Comme ça, on va le dire à nos auditeurs en même temps. Alors, Angelina Jolie. Elle a... Ah oui, tu vois, non, à peine 50 ans. Elle a 49 ans, là, tu vois. Elle rentre dans la cinquantaine, 60. Tu vois. Ah ouais. J'aurais dit 50. 60, pardon. Angelina Jolie, comme vous, elle était un style glamour hollywoodien, complétait sa tenue avec des bijoux en diamant et un maquillage minimaliste, très minimaliste et naturel. C'est ça que j'aime chez Angelina Jolie. Quand elle apparaît, elle est toujours bien maquillée, bien coiffée, mais très maigre surtout.
Elle a toujours, elle a jamais été grosse. Hein. Je crois que c'est ça. Mais tout le monde lui a dit qu'elle était c'est presque un bâton. Hein. C'est dangereux, ça. C'est l'anorexie pratiquement. Hein. Mais je me demande si elle doit prendre. Si elle mange, parce que c'est pas possible d'être aussi mince comme ça. C'est vrai que c'est dangereux pour la santé. Hein. J'ai l'impression que même dans les films maléfiques ou d'autres films qu'elle a joué, elle était moins maigre que ça. Elle était mince. Elle était mince, mais un peu plus. Oui, un peu plus. Oui, c'est vrai. Et là, j'ai vu que on voyait presque ses os du bras. Après, elle a peut-être une maladie, on sait pas. On sait pas tout, tu sais. Hein. Même si je sais qu'à l'époque, elle a eu un cancer du sein, il y a des années. C'est pour ça qu'on, quand on fait pour les femmes, on cherche le gène d'Angelina Jolie. C'est ça, tu sauras pour toi, si un jour, tu dois faire le dépistage du cancer, ils te le diront. C'est moi, avec ma maman, ils ont cherché les gènes d'Angelina Jolie. C'est pour ça qu'ils appellent ça. Elle s'est fait retirer les seins il y a des années. Et c'est que des faux seins, vie avec des faux seins. Donc c'est pour ça qu'après, elle peut avoir... Après, c'est vrai que avoir la peau sur les os, par contre, c'est que là, il y a quelque chose. Hein. Pas normal, ça. Mais ça m'a un peu... Oui, c'est choquant. Je sais, c'est choquant, oui. Ah, quand on n'a pas l'habitude de voir une personne mince, oui, c'est sûr que là... Là, c'est plus de la minceur, là, ce tarif. Hein. C'est de la nourriture. C'est plus de la minceur, c'est comme un squelette. Un squelette. C'est presque un squelette qu'on voit. Mais c'est dangereux, hein. Et voilà, donc sortir entre mère et fils, pourquoi pas. Mais j'aurais pas reconnu tout de suite Knox. Knox, j'aurais pas. Déjà, pourquoi appeler son fils Knox ? Déjà, Wolf. Non, mais c'est des prénoms à dormir debout, ça. Ah, les Américains, ils portent des prénoms. Déjà, Elon Musk a donné des noms aussi à ses enfants d'autres noms assez étranges. Ouais, c'est vrai. D'où viennent ces noms inventés ? C'est les Américains. En numéro 7, je vais parler de Gilbert Collard qui parle sur l'état de santé de Jean-Pierre Foucault. Bien sûr, il y a eu Jean-Pierre Foucault, comme vous le savez, il présente Miss France chaque année. Et je l'ai trouvé, Jean-Pierre Foucault, son état de santé est bien, j'ai envie de dire, mais il a intervenu à l'émission chez Jordan en disant aujourd'hui tout va en disant à Jean-Pierre Foucault disait à Gilbert Collard aujourd'hui tout va bien, j'ai des potes qui vont mieux. Foucault, je crois qu'il en a 7 ou 8. C'est un Marseillais. On ne se voit plus, mais je l'ai connu quand il était à la radio Monte-Carlo. Pour rappel, l'animateur de 76 ans a été victime d'un double arrêt cardiaque en avril 2023. C'est vrai. D'ailleurs, il sera à l'animation des Miss France le 14 décembre, il ne faudra pas oublier. Le 14 décembre, et ben c'est dans l'actualité, c'est dans l'actualité. Et j'ai trouvé qu'il était en forme pour une personne... Toi, 76 ans, être encore à la télé, c'est... Marianne Michel Drucker, avec tout ce qu'il a eu, il est encore à la télé, hein. T'imagines, ça c'est des grands de la télé, ça, c'est des... Franchement, 76 ans... Après... Double arrêt cardiaque, c'est quand même quelque chose, mais bon, il a survécu, tant mieux pour lui. Il a dit aussi qu'il va avoir, il a eu une opération thoracique, ouais, qui a fait que il a dû être opéré rapidement, donc c'était soit la vie ou la mort, j'ai envie de dire. Et il s'est dit, il a des très bons médecins aussi, ils ont des très bons médecins, donc voilà. En même temps, Foucault, il a une femme médecin, donc c'est elle qui a... C'est l'avantage. C'est l'avantage, C'est l'avantage, et c'est elle qui a dit qu'il faut aller te faire opérer. Te faire vérifier. Ah bah oui, faut pas avec des problèmes de cœur, faut pas rigoler. Hein. Non. Mais manger saine, n'est-ce pas, Virgile? Oui, n'est-ce pas, Virgile? On sait pourquoi on dit ça. Voilà. Bah justement, on va parler aussi des Miss France 2025 en top 6, que je trouve ça
étonnamment. Il y a eu, ils ont les top Miss France 2025 ont apparu aussi. La première fois à la Star Academy, c'est à la Star Academy qu'on les a découverts. Ouais. Et moi, j'aurais pas. C'était pas le lieu. C'était pas le lieu en fait d'apparaître avec le candidat Ulysse sur la chanson Dis-moi. Il aurait. Je sais pas. Ils auraient déjà, je les aurais présentés comme faisait notre cher Jean-Pierre Pernaut, paix à son âme, au JT de 13h. Moi, c'est comme ça qu'ils ont été présentés. Moi, de toute façon, Sylvie Fabre a fait un peu. C'est Cindy Fabre, donc Sylvie Fabre. Elle fait n'importe quoi, je l'aime pas cette bonne femme. Moi je préférais Sylvie Tellier. Elle gérait mieux les Miss France. Moi j'aime pas la nouvelle directrice du concours Miss France. Moi je te le dis, hein, c'est mon opinion. Et je trouve elle que. Elle a quelque chose, Cindy Fabre, elle a quelque chose qui me plaît pas non plus. Moi elle est en train de tout changer le concours. Et moi je me dis, je sais plus ça fait combien de temps que ça existe, mais à un moment ça suffit, faut arrêter. Parce que la Miss France, elle fait plus autant de choses de ce qu'elle faisait avant. Parce que Gilles, on va voir des documentaires sur elle là d'ici la fin de l'année. Une fois que ils montent toujours un documentaire sur l'ex Miss France, je me dis, je pense qu'à un moment, il faut peut-être arrêter. Je trouve que ça, c'est des trucs d'ancien temps. Il faut se renouveler. Et pourquoi que des femmes? Faudrait faire Mister France aussi. On voit pas les hommes. Ils le font, Mister France. Oui, mais pas télévisé. Pas télévisé. Voilà, c'est ce que je te dis. Je sais que Mister France, ça se fait, mais on le voit pas. C'est pas autant médiatisé que la Miss France. Même des fois, quand on dit qu'il y a des Mister France, c'est vrai en plus ce que tu dis, Mehdi. En plus, dans Mister France, on voit le lendemain sur des émissions qu'avec une écharpe, tu te dis, mais il apparaît d'où ce gars-là. Parce qu'on les voit, les Mister France, ils ont une page Instagram, on les voit, mais ils font pas de télévision. Il est venu. Si, le Mister France, il est venu une fois chez Cyril Hanouna il y a un an, je crois. C'est ce que je te parle. Des fois, quand on ne voit pas des gens, on ne les connaît pas, on se dit, mais il vient d'où ce. Voilà, c'est exactement ça. Il faut demander aussi aux internautes, aux téléspectateurs, qu'est-ce qu'ils en pensent. Et on va faire aussi un sondage. Est-ce qu'on devrait demander à TF1 faire une Mister France, apparaître Mister France? Mais je pense qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont dire oui. Oui, parce qu'on a les femmes. Bah, c'est comme nous, avec le football. On voit les hommes, on voit pas les femmes, tu vois. Il y a aussi une on voit les femmes sur des chaînes de moyenne importance. Tu vois ce que je veux dire? Ça manque aussi à la télé. La femme a aussi sa place, et les hommes, que ce soit les hommes ou la femme, tu vois ce que je veux dire? Que ce soit dans le sport, que ce soit dans la culture, que ce soit dans partout. Et ça, c'est vrai que ça manque. Mais bon, après, comme tu dis, faire un sondage, n'hésitez pas à réagir aussi au sondage sur le hashtag Le Média Co. C'est très important pour qu'on ait votre avis, justement. Ça serait cool. Est-ce que je trouve ça un peu. J'ai trouvé ça un peu. Même. Ils n'ont pas eu la chance. Ils n'ont pas eu la chance de regarder. Mais il y en a. De regarder Miss Univers. Parce qu'il y a. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Indira Ampio. Comment ? Indira Ampio, notre Miss France 2023, je crois. C'est ça, hein ? Oui, 2024, je crois. Elle a été dans le top. Elle a été dans le top 30. Et je trouve ça. Ça, c'est bien. Pas très surpris, je trouve ça très agréablement. Elle aurait pu venir aller dans le top. Allez, dans le top 10. Mais top 30, mais je crois qu'il nous manque quelque chose avec ça. Parce qu'on a gagné une fois le Miss Universe avec Iris Bittner. Je sais pas comment on a fait pour arriver jusque-là. Hein, mais là, depuis que Iris Bittner. On est dans le top 10, top 20, c'est tout. On n'est pas. Après, je sais pas si il se base sur quoi, si c'est sur la beauté, si c'est sur le spectacle qu'ils font, je sais pas. Et en plus, Miss Univers est diffusé sur une chaîne Paris Première. Et Paris Première est payante. Paris Première, je l'ai donc. C'est n'importe quoi, ça. J'ai regardé, donc. Mais ceux qui n'ont pas Paris Première ne peuvent pas voir. Ça devrait être diffusé sur M6. Je suis désolé, c'est le groupe M6. Ou en sur plus. TF1. Ou sur TF1, ou voilà, mais c'est à 2h du matin. À cette heure-ci, personne. Excuse-moi, mais avec le décalage horaire, ben voilà, ça fait tout. Hein. À chaque fois, soit c'est aux États-Unis, soit. Enfin, c'est dommage qu'ils le font pas. Bah, si, ils le font pas en France. En France. C'est bien dommage. C'est bien dommage. Et je trouve ça un peu. Après, Miss France. J'ai déjà mes préférés, mais je sais plus c'est quoi. Moi, je les ai vus vite fait, j'ai pas eu le temps d'étudier le truc. Mais
donne-moi ton avis, Maria. C'est pas un peu trop? Il faudrait peut-être arrêter, non? Tu me dirais pas, non? Bah, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu trop de mon point de vue. Ça fait combien depuis 1900... C'était à l'époque de Geneviève de Fontenay. Ah, oui, t'imagines, ça fait. Ouf. Les années 80. La première Miss France, je crois que c'est 85, je crois. Je sais plus. C'est ça. Ça fait 40 ans que ça dure. Ah ouais, non, vraiment, c'est bon. Oh, mais je trouve qu'il devrait faire varier, tu sais, au lieu de faire Miss France que Miss France, ils auraient pu faire Miss et Mister France, tu vois, des couples. Ah oui, faire les deux en même temps. Ah oui, ça serait sympa à voir, ça. Oui, ça, c'est vrai que je comprends pas que les chaînes n'y aient pas pensé à ça. Tu vois, c'est dommage. Oui, c'est pas bête, ça. Et moi, je trouve ça scandaleux de faire vendre des places pour voir Miss France. Il est obligé d'acheter ta place. Ça, c'est scandaleux, par contre. Tu sais où est-ce qu'ils le font? Au Futuroscope de Poitiers. Ils l'ont fait une année. Ils l'ont déjà fait au Futuroscope pendant le Covid, je crois. C'est la première fois. Au Futuroscope, ils l'ont fait pendant le Covid aussi. Ils l'ont fait pendant le Covid là-bas. Bah, d'accord. C'était pour quel anniversaire. Mais c'est toujours dans des endroits. C'est pas donné en plus, hein. À la salle, le smoking, le micro, enfin. Ah non, mais je trouve que. Ça, faudrait varier. Parce que c'est trop. Il devrait faire entre Miss et Mister, faire une combinaison entre les deux, je trouve. Et qu'ils présentent tous les deux la France. Enfin, ce n'est que mon avis. C'est que nos avis, mais c'est vrai qu'il faudrait faire varier, oui. Allez, on va faire la dernière actu. La dernière actu, déjà? Ah bah oui, bah, hein. On va parler de Denitsa Ikonova, ancienne jury de Danse avec les Stars et qui a eu triple championne ou quadruple. Je crois que c'est la plus grosse championne de Danse avec les Stars. Hein. Elle est devenue tout juste maman à 37 ans, 38 ans à peu près. Avec le danseur étoile François Alluy, oui. Oui. Ça, c'était une surprise, ça, tu vois. J'aurais pas pensé que c'était François Alluy. Mais moi, j'aurais toujours cru qu'elle était toujours avec Ryan Bensetti. Moi, tu vois, je pensais que c'était lui au départ, tu vois. Eh non. Après, c'est bien, c'est joli, c'est une belle histoire. Mais moi, je pensais pas que c'était avec lui non plus, tu vois. Quand j'ai compris qu'ils voulaient tous les deux une famille, j'ai dit, ça sent le couple. Donc, c'est... Après, ben, félicitations à eux. Hein. C'est une petite fille, je crois, non? C'est une petite. Je crois que oui, c'est une petite fille, mais ils ont dit qu'elle se sent un peu fatiguée et. Et comment? Dis, tu m'étonnes, c'est fatigant, hein. Bon, oui. Mais voilà, donc moi je te dis honnêtement, je te dis honnêtement, qu'est-ce que je raconte? Je suis très heureuse pour Denitsa parce que c'était son plus grand. Rêve. Rêve de devenir maman. Ça commence à. Beaucoup de bonheur à eux. Ah, ça, et c'est surtout que 37 ans, on commence à arriver dans l'âge un peu pas critique. Passer 40 ans pour avoir des enfants, c'est. J'ai encore le temps, moi. Oui, je me doute. Mais comme on dit, passer 40 ans, c'est un peu plus dur d'avoir des enfants. Mais après, il y en a qui ont à 40 ans, mais c'est vrai qu'avant 40 ans, oui. C'est encore le temps, oui, ça je me doute que tu entends le temps, mais quand même. Et je vais passer, on va parler ensuite de Mika. Et Mika, Judin Burgier, Mathieu Gonnet et Pauline, juste après la pause. Il n'y a pas de pause. Eh non. S'il te plaît. On va parler de Mika qui a dit qu'il va arrêter tout. Et moi, j'étais quand même commencé à arrêter tout parce qu'il a dit sur Taratata qu'il va arrêter toutes les émissions en France. Il arrête, oui. Il veut arrêter. Il veut se consacrer en tant que chanteur, mais souhaite revenir en tant que chanteur et faire des projets musicaux. Donc, moi, il a très bien joué son rôle de coach, super coach de Voice ou d'autres émissions. Et en plus, il était un très très bon parrain sur Téléthon, je trouve. Toujours à l'écoute des autres. Très solaire. Il a quelque chose de très solaire qu'on est. Ouais.
qu'on est à côté de... D'ailleurs, tu parles du Téléthon. On rappelle que le Téléthon commence exceptionnellement vendredi. C'est le week-end du 29 et du 30 novembre. Donc, n'hésitez pas à leur faire des dons. C'est très, très important. D'ailleurs, on en parlera dans l'émission la semaine prochaine, justement, pour le Téléthon. Voilà. Donc, comme tu m'as parlé du Téléthon, j'en profite d'en parler. Donc, J'allais en profiter parce que lui, il est parrain du Téléthon. Il est parrain de cette édition. Ouais. Il est très... J'ai remarqué qu'à chaque fois, quand il allait dans des rencontres ou même dans la télévision, il est très solaire. Il y a quelque chose qui illumine. J'ai l'impression qu'il veut que tout le monde soit positif dans la vie. Mais il a raison. Il a raison. Moi, je trouve qu'il y aura aussi, et il y aura aussi le grand retour de Florent Pagny dans The Voice. Ah, ça. On verra après un moment de. On a entendu parler de lui de moments de cancer de poumon, je crois, parce qu'il avait fumé auparavant. Ouais, ça, il a eu des gros. Il a eu un cancer, il a eu des métastases, ça a été un peu compliqué, mais pour l'instant, il serait en rémission. Pour le moment. Pour le moment, il serait en rémission et je. Demande à tous les fans de Florent Pagny, arrêtez de lui envoyer des messages. Laissez-le qu'il se repose, oui. Déjà, The Voice, c'est déjà un exercice, mais là... Tu sais, même quand il faisait auparavant, quand il était chauve, je ne l'aurais pas reconnu. Il chauve complètement, je ne l'aurais pas reconnu avec sans barbe. Ah bah non, mais quand tu es malade... Il se sentait très, très fatigué. Ah bah oui, c'est normal. Normal. Là, maintenant, j'ai vu, il y a sa fille Ali, je ne sais plus comment elle s'appelle, Ali Pagny, qui est photographe. Fait des super photos d'ailleurs. Qui fait de super photos et qui a montré l'envers du décor de Florent Pagny. Ouais, de son donc, père, ouais. Elle a montré tout, oui, c'est vrai, c'est un très beau hommage d'ailleurs. Donc je trouve ça un très beau hommage en tant que en tant que fille, mais aussi en tant que photographe. C'est donc, vrai aussi. Je me dis que et maintenant elle est tout le temps à des tournées avec son papa et ils se sentent soudés. C'est ça qui est aussi important. Quand on a une maladie comme ça, il faut se sentir soudé par sa famille. Donc prenez un message très fort que je souhaite vous donner. Prenez soin de vos proches. C'est très important. Donc, prenez soin de vos proches et prenez soin de vous aussi. Parce que malgré tout, on ne sait pas qu'est-ce que peut nous donner Moi, c'est ce que je prends toujours, ouais. Bah, merci Marie, on va s'arrêter là parce que l'heure tourne. Bah, on se retrouve, de toute façon, t'es avec nous demain soir pour une belle surprise pour l'équipe. On va pas dire qui, voilà. Mais il y a une belle surprise demain dans la Libre Antenne. Elle nous rejoindra demain, elle sera avec nous. Et on se retrouvera aussi mercredi prochain ensemble en direct dans le Medi & Co. Hein, ma petite Maria ? Oui, non, bah, toujours présente et toujours à l'heure. C'est vrai, pas comme certains, si tu vois de qui je veux parler. Je pense que tu vois de qui je veux parler. Et en plus, la semaine prochaine, c'est une grande semaine. On aura le Medi & Co, la Libre Antenne. Et samedi prochain, nous tournons la spéciale de Noël. Ça y est, ça approche déjà, Maria. Ça va être une belle émission. Ça approche et j'ai hâte de lire, d'être en équipe sur le plateau. On va passer, on va vous tourner une superbe émission de Noël qui sera diffusée le 25 décembre. Et pas mal de petites choses, mais ça, on vous dira ça en temps voulu. Bah, merci Maria, je te souhaite une bonne soirée. Puis on se redit à demain pour la Libre Antenne et à mercredi prochain. À mercredi prochain et à demain. Merci Maria. Merci à elle, on la retrouve demain dans la Libre Antenne et la semaine prochaine avec nous. Allez, on va passer à un petit jeu avec mon petit DMC avant de partir en pause musicale. On t'écoute, mon petit DMC. Oui, alors, du coup, j'ai préparé cette petite chronique, voilà, quiz. Ça va un peu... Changer un petit peu, on va un peu s'amuser. Pardon, je viens de roter, c'est pour ça. Dégueulasse. Je buvais mon coca, voilà. Oui, je sais bien. Non. J'allais pas roter à l'antenne non plus. Les éternuements et les roses. Tu m'étonnes. Je dis coucou d'ailleurs à Pierre qui est oui. Sur le live. Depuis tout à l'heure, on s'éclate sur le live. Alors, là, c'est... Hier soir, on était en live TikTok, laisse tomber. Allez. Vous êtes prêts ? Ouais, oui, on y va. Alors, écoutez d'abord et vous allez me dire à la fin qui c'est. Moi, je suis né dans le sud de la France. Voilà. Je suis né il y a 33 ans. Ah et, moi, je suis né à Nice. Et après, j'ai grandi, mais plutôt l'adolescence dans le Var. Mes parents, ils ont pas mal déménagé. Alors,
ça me dit quelque chose, mais attends. Moi aussi. Ah. Vas-y. Moi aussi, ça me dit. Est-ce que c'est politique? Non. Ah, je pense à la politique. Ami Combal. Non. Non, c'est pas sa voix. Refais juste un petit peu écouter, MC, pour que je... Moi, je suis né dans le sud de la France. Voilà. Je suis né il y a 33 ans. Et... Quelle ville, je me permets? Moi, je suis né à Nice. Et après, j'ai grandi, mais plutôt l'adolescence dans le Var. Mes parents, ils ont pas mal déménagé. Gérard Béconi. Non. Je croyais que c'était lui, mais je suis pas sûr. Je vais dire une connerie. Est-ce que la personne a 33 ans? Bah, oui, oui. J'allais dire Sébastien Coé, mais ça ressemblait. Hein. Mais c'est pas ça. Alors non, là. C'est pas lui. Hein. Ah bah putain, c'est ça ressemblait. Guillaume? Non. Un indice, DMC, un petit indice. Alors. Il a déjà été aperçu avec Squeezie. Ah. Il a déjà fait. Carlito? McFly ou Carlito, non? Non. Avec Squeezie? Est-ce que ça a rapport avec Danse avec les Stars là, d'Internet? Non. Avec Squeezie, tu dis? Alors là, très bonne question. Alors là, je sais. Ah, moi, je donnerais ma langue au chat. Parce que là, alors, deuxième indice, c'est un peu plus facile. Le nom est roumain. Roumain? Quoi? Roumain, tu dis? Alors là, alors là. Rudel Krief. Rudel Krief. Deuxième indice, il fait des vidéos. Oui, on s'en est douté. Hein. Michou? Non. Inoxtag? Non, non plus. Comment il s'appelle? Il fait des vidéos. Il a 33 ans, il est du sud. Oui, non, mais je vois. Dans les grandes têtes, ouais. La il habite à Paris. Hein. Le Bouzeux? Non. Ça veut dire, je disais ça. Alors là, moi, je donne connu, la main. Connu des millions d'abonnés. Oui, alors, je vais vous dire. Alors, on t'en dirait combien il a d'abonnés. Mais il est connu, hein, ça fait. Vraiment. Je les connais pas tous, hein. Vous ne reconnaissez pas. Sur sa chaîne YouTube, il a 14 millions d'abonnés. Ah, bah, je donne ma langue au chat, je ne saurais pas. Celui qui prend les stars en voiture, là, Yoris? Non. Dis-nous, DMC, ce que là. Encore une dernière indice, il porte des lunettes. Ah oui. Il porte des lunettes? Bah, c'est pas moi parce que j'ai pas 30. Il porte des lunettes. Alors là, ça, je sais pas. Ah, porte des lunettes? Oh là là. Quand il va nous dire le nom, je veux dire, ah bah oui, tu vas voir. Et la voix, il dit quelque chose. Ah oui, c'est ça, ça me dit, non, ça me dit rien. Ça me dit rien, là, DMC. Ouais. Yo, tout le monde sait! Hein? Non? Ah non, vas-y, dis, c'est bon. Mais un dernier coup. Bah moi, je suis né dans le sud de la France. Voilà, je suis né il y a 33 ans. Bon, vous, du coup, ça commence par un C. Cyprien. C'est ça. Ah, oh, hey, tu sais quoi, je l'ai même pas reconnu, tu vois, Cyprien. Ah, alors là, non. Là, ah, ça je me... l'avais pas reconnu au début, j'avais confondu avec un autre. Regarde pas Cyprien. Alors, je suis prêt pour le deuxième. Ouais. Ouais. Ah, Cyprien, moi, je regarde pas. C'est aussi un cliché. Vas-y. Ça, c'est aussi un cliché qu'il faut battre en brèche. Oui, c'est oui. Que les médias, la télé notamment, ont fait très peu de people sur les politiques et sur Nicolas Sarkozy en particulier. Oh. C'est quelqu'un, un animateur télé? Oui. Bah, France Télévisions. Oui. Ah, je pense avoir, mais c'est plus bon. Vas-y, dis. Au service de l'info, là. Présentateur d'un JT. Ah, mais le nom. Bugier. Non. Non. Comment? Un qui était à Télématin avant, maintenant qui est Joker. De la housse. Non. Non, Thomas Soto. Je remets. Ça, c'est aussi un cliché qu'il faut battre en brèche. Oui, c'est oui. Que les médias et la télé notamment ont fait très peu de people sur les politiques et sur Nicolas Sarkozy en particulier. Ah. Oh putain, ça me dit quelque chose. Oui. Ouais, moi, je vois France Télévisions. C'est France Télévisions, mais alors là. Je l'ai déjà entendu dire ça. Le docteur Gérald de Kierzek. C'est un animateur, tu dis. C'est pas vraiment un animateur, mais... C'est un chroniqueur ? Il est dans le domaine de la télévision. C'est un chroniqueur ? Ah, comment il s'appelle ? Mince. Est-ce qu'il a déjà fait de la télé sur France 2, France 3, en deuxième partie de soirée ?
Oui. Charles Consigny? Non. France 2, ouais. Me dis pas que c'est celui de C8 là qui est tous les soirs avec Pascal de la Tour du Pain, là, comment il s'appelle, Yann Max? Oui. Non. Non, pas Eric Nolot? Non, ah non, oh, on l'aurait reconnu. Je vous donne un indice? Oui. C'est un journaliste. Ah. Un journaliste? Oh là là. C'est pas de la hausse, c'est quoi? C'est un monsieur. Refait écouter. Est-ce que c'est. Attendez, c'est pas un nom, alors. Comment on fait? Il y a son prénom, mais son nom de famille, il y a deux noms. De nom? Non. Refait écouter, DMC. Refait écouter. C'est un cliché qu'il faut battre en brèche. Oui, c'est oui. Que les médias et la télé notamment ont fait très peu de people sur les politiques et sur Nicolas Sarkozy en particulier. Augusta? Oh la non. Vache! Julien Arnaud? Non, il a 59 ans. Oh! Ah! Ah non! Alors là. Putain. Il a travaillé au sein de TF1 1989 à 2001. Oh, Pujadas. Pujadas. Bingo, David. Je donne la parole. Ah, c'est Pujadas. Oh putain. Ça, oui, ah, je l'ai pas reconnu. Ah, pourtant, je l'ai reconnais. Mais alors là, lui. David. Alors, vas-y. Un prochain, DMC. Allez, prochain. Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Alors? Remets, tu peux remettre une fois? Vous voyez l'automobile derrière moi? Oui. Ça fait un petit moment que je l'observe. Eh bien? Eh bien, elle est absolument impeccable. C'est quand même bien mieux une voiture propre, non? Ah! Jean Dujardin! Yes! Ah, j'ai reconnu direct! Là, j'ai reconnu direct! Ouais. Le temps, pour ça, quand j'étais avec ta remise, ça me dit quelque chose. Jean Dujardin. Ok. Allez. On reste sur 17. Ah, alors, je l'ai vu vers la fin. Ah! Oui. C'était Atlantic City. Oh, c'est Johnny Hallyday! Oh, ouais, tu peux changer, c'est Johnny, ça. Alors, je n'ai pas entendu, c'est qui a dit en premier? C'est Virgile. Johnny Hallyday, c'est moi. Alors. Ah oui, là, tu reconnais direct. Et ça je tiens à le dire haut et fort, surtout pour parce que c'est vrai que ça a été vu par 2-3 milliards de téléspectateurs. C'est un joueur de foot. Oui. Voilà. C'est un joueur de foot. Et ça, c'est un joueur de foot. Oui. Voilà. On repasse. Mais faut le nom. Repasse, oui. DMC et repasse. On l'écoute bien. Zidane. Ah, ça, je tiens à le dire. Ah oui, c'est Zidane. Zidane. C'est Zidane. Parce alors, que c'est qui vrai. A dit en premier? C'est Gaëtan. Ouais. C'est Gaëtan. C'est Gaëtan qui a dit en premier. Oui. Oui, bah, je crois que c'est Gaëtan qui l'a reconnu direct, je crois. Allez, prochain. N'ayez pas peur. Peur. Nous allons soigner votre. Vous n'irez pas. Gérard Kerzek. Enlevez votre prothèse, peut-être qu'il sera plus calme, ça vous dérange. Ne vous n'ayez pas peur. Vous n'irez pas. Bon, tu te calmes. Regarde ce qu'il a. Je sais ce qu'il a. Tu te calmes. Non, j'ai très bien compris. C'est le gars ou c'est la fille qu'il faut trouver. On refait écouter DMC, parce que là, on... N'ayez pas peur. Peur. Nous allons soigner votre... Vous n'irez pas à l'hôpital. Écoutez, enlevez votre prothèse, peut-être qu'il sera plus calme, ça vous dérange. Ne vous n'ayez pas peur. Les nuls. Bon, tu te calmes. Regarde ce qu'il a. Je sais ce qu'il a. Tu te calmes. Non, j'ai très bien compris. Là, je sais pas. Bon, là. C'est pas les nuls à la Chabon et tout. Non, c'est un. Il travaille pour la télévision. Ouais. Ça, voilà. Je. Journaliste. Ce n'est pas un journaliste. Alors, il a 41 ans. Oui, ça va pas trop nous aider, ça. Un autre indice d'MCS, là, ça va pas nous... Il a fait des vidéos populaires qui est passé à la télévision. Des vidéos populaires qui est passé à la télévision. Ah, pour le dentifrice? Non. Ne dis pas que c'est, comment il s'appelle, celui qui a fait le truc de l'autre côté du périph' avec Omar Sy, là, comment il s'appelle? Non. Fred. Testo. Non, pas Fred Testo, comment il s'appelle?
Il a même fait une pièce de théâtre qui est passée en film, c'était nul. Lafitte. Oui, voilà, c'est pas lui. Non. Un autre indice. Lui. Il a fait. Ses vidéos sont passées sur la chaîne C8. La chaîne Greg C8. Yota. David de... Ah, le point. Ah, je l'ai pas reconnu du tout, Greg. Déjà, je le regarde pas beaucoup, alors je le reconnais pas, là, tu vois. Allez, dernier. En tout cas, ce que je sais, c'est que les échidnés adorent débarquer sans prévenir et me gâcher la vie. Elise Moon ? Oui. Non. C'est une femme. C'est une femme ? Non. Il a dit non, il a dit oui, j'ai pas entendu, là. C'est non, c'est pas une femme. Gad Elmaleh. Non. Un indice. Oh, un indice. Il est bleu. C'est, il est bleu. Comment dire, il est. C'est un acteur déjà, mais. En tout cas, ce que je sais, c'est que les échidnés adorent débarquer sans prévenir et me gâcher la vie. Michaud. Non. Alors. Ma belle et ma belle. Ah, ah. Malik Bektala. Oui, ah, et ah, il a fait du coup... Quand tu m'as dit Mamem Babela, là j'ai reconnu tout de suite. Taxi 5, j'ai reconnu direct. Oui, okay. Mais dans quel... De... Dans quel truc? Bon, je vous dirai ça juste après. Ok, allez, on fait une petite pause musicale et on revient dans... Et on revient tout à l'heure. À tout de suite. Le Mehdi & Co revient dans quelques instants. Juste après ça. Juste après ça.
Le Mehdi & Co avec Mehdi et toute sa bande, 21h-23h en direct sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux. Et voilà, nous voilà de retour dans le Mehdi & Co. On était dans le petit jeu de DMC, c'est vraiment pas mal. Alors c'était qui la dernière personnalité? D'accord. C'était qui la dernière personnalité que tu nous disais, mon petit? Alors, c'était bien Malik Bentala, mais il a joué dans Sonic. Et c'était dans le truc Sonic. Mais, comme vous, je ne peux pas vous laisser sur une match nulle, parce que je vois que toi, Mehdi, Virgile et David, vous êtes à égalité. Ouais. Ouais. Je dois vous dire, voilà, la prochaine personne, il faut que ça soit... Alors, entre... Alors, Gaëtan, tu ne joues pas, parce que tu as perdu. Excellent. Du coup, c'est entre David, Virgile et Mehdi. Ok, on écoute. C'est parti. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Oui. Gagne environ 15 000 francs. Et ah. Sur le palier à côté de son HLM, entassé, une famille... Ah, je crois savoir. Pompidou. Pompidou. Non. Thierry Ardisson. Non. Ah, rien. Repasse. On aurait dit Ardisson. Repasse, Demsey, s'il te plaît. Sur le palier à côté de son HLM, entassé, une famille, avec un père de famille, trois ou quatre épouses et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50 000 francs de prestations sociales sans... Ça me dit alors, quelque chose. Coluche. Non. Jean-Yves Lafesse. Non. Donne-lui un indice. Un indice. Cette personne. Alors, comment vous dire? C'est cette politique. Personne est décédée. Ah, Thierry Le Luron. Non. Cette personne est décédée, ah, tu dis? Oh, la vache. Mais attendez, je vais vous dire. Alors, cette personne est décédée le 26 septembre 2019. C'est un humoriste, je suppose? Non. Politique? Non. Ah! Oui. Si, si. Je politique. Crois savoir. Jacques Chirac. C'est Mehdi qui a gagné. Ouais, le temps que bien. Ça revienne. Oui, Jacques Chirac. Bien. Parce que la voix, tu sais... Je voulais le dire, mais je... Le temps que ça revienne. Remets un peu la voix. Quoi? Repasse un peu la voix, oui. Parce que le temps alors, que ça... Ça gambère là-dedans. Cette voix. Naturellement travaillé. Si vous ajoutez à cela... Ajouter à cela le bruit et l'odeur, eh bien, le travailleur français sur le palier devient fou. Mais ça va, visiblement, vous développez. Voilà. Ok, attends, Jacques Chirac. Quand t'as dit la date du décès, j'ai retrouvé tout de suite. Quand t'as dit la date du décès, j'ai dit c'est vrai. C'est Jacques Chirac. Comment tu peux reconnaître la date de décès de... Parce que je me souviens un petit peu de certaines choses. Jacques Chirac, oui, quand même, on s'en souvient. Mais ok, pas mal ce petit jeu. On a, tu vois, ça permet de me faire réfléchir. C'est bien. Bravo, Gaëtan. Gaëtan, t'auras un gaz. De toute façon, Gaëtan, c'est pareil que dans les quiz time. C'est pareil. Ça me rassure. À part quand c'est de la géographie. Gaëtan, à l'émission de Noël, il va nous apporter l'eau et les cafés. Non, quand même pas. Non, quand même pas. Je veux simplement rajouter une couche. Gaëtan a perdu comme d'habitude, c'est fantastique. Oh non, Gaëtan, il va rester. Oh, il est méchant. Il est grave. Sacré Gaëtan. Qu'est-ce que tu nous montres là? Qu'est-ce que c'est ça? Oui, et alors? Allez. Oh c'est encore son truc. Ah là là. Allez, Gaëtan, tu nous montrer ton truc, parle-nous de ta chronique. C'est à toi. C'est déjà moi. Ah bah oui, hein. Ah, il dormait. Ah, t'étais en train de faire une sieste, peut-être. Écoute, il y avait Jacques Chirac. Moi, je pensais que t'allais mettre son discours en entier, hein. Tiens donc. Bah ouais. Ah là là, sacré Gaëtan. Là, on peut féliciter Gaëtan, bravo. De quoi? Bah, d'avoir perdu. T'as payé ta facture de gaz.
Oh. Oh. Et toi, t'as payé ta facture d'électricité ou pas? Oh là là. Oh là là. Attendez. Excusez-moi, mais hey, ça vaut bien ça. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Vas-y, Gaëtan, j'attends mon petit déjeuner dans une semaine. Attendez, c'est à cette heure-là que monsieur Gagarine vient ? Oui, je crois bien. Qui, Gagarine ? Oh, bonsoir. Oui, bien sûr, bien évidemment, on se demande qui c'est. Bonsoir, ça va, David ? On te dérange pas trop ? Ça va, tranquille ? Là, je peux pas dire ce commentaire parce qu'il est un petit peu vulgaire. Donc, on va pas le dire. Voilà. On me dit de te dire, cher Virgile, pauvre con. Voilà, tu comprends le premier mot. Voilà. On connaît les deux petites lettres qui se battent en duel, on connaît le texte. Deux petites lettres, il y a au moins 4-5 lettres quand même. 4 lettres à la ligne, oui, on connaît le répertoire. Allez, laissons Gaëtan faire sa chronique. On t'écoute, mon petit Gaëtan. Alors, on va parler d'exposition, on va parler de la première exposition située à Paris, dans le 6e arrondissement, Ça s'appelle Modigliani et Zadkine, une amitié interrompue. Une amitié qui s'est déroulée entre les deux artistes, l'un est sculpteur, donc c'est Zadkine, et Modigliani qui est peintre. Donc avoir plusieurs œuvres d'art, donc œuvres, peintures, dessins, tout ça. Et des sculptures également. C'est une amitié qui remonte des années 1910 à 1920 où ils se sont croisés dans Paris et après il y a eu une interruption sans doute à cause de la guerre sans doute. Donc voilà. Donc vous pourriez retrouver ça, c'est jusqu'au 30 mars et ça vient de commencer depuis le 14 novembre. Ça, c'est marrant, David a disparu. Ouais, c'est ce que j'allais dire, comment ça se fait que monsieur est parti là? Je sais pas, vas-y Gaëtan. C'est bon, là vous voyez? Oui, on te voit. Ah, par contre t'as un chat dans la gorge. Voilà. S'il te plaît, c'est... vas-y Gaëtan. J'allais dire plutôt une chatte, mais voilà. Au musée du Petit Palais, dans le 8e arrondissement, retrouvez Ribera, Ténèbres et Lumière. C'est une artiste des années 1590, donc à 1652. Elle est née en 1591. Oui, excuse-moi, Gaëtan, qu'est-ce qu'il y a, Demsey? Mets-toi en mode paysage. Parce que là, t'en veux pas faire. Ah oui, parce que je regarde mes notifs en même temps. Vas-y, Gaëtan. T'as vu derrière ses notifs. Vas-y, Gaëtan. Allez, on laisse parler Gaëtan. On me demande des dispo la semaine prochaine. Je salue Stacy. Tu me demandes ça. Oh non. Ah là là, vas-y, Gaëtan. Donc, Ribera, c'est un artiste espagnol qui s'est installé en Italie et qui... impose, c'est l'un des interprètes fascinants de la peinture de son époque. Donc allez voir si vous aimez bien l'art romain, notamment. Nous, on nous dit sur le live, moi je préfère Afida Turner. Voilà, je dis ça, je dis rien, il est con celui-là. Vas-y Gaëtan. Là, on va voyager également du côté du Japon. Oh. À Toulouse, c'est ça, dans le jardin japonais? Non, dans le 18e arrondissement de Paris, avec une œuvre d'art qui s'appelle Yasuhiro Ishimoto. À tes souhaits. Des lignes et des corps. C'est jusqu'au 22 décembre. Un photographe japonais, donc j'avais bien raison, il est japonais, qui est décédé. Il y a quelques années, il y a 12 ans, en 2012, il est né en 1921,
Donc, né de parents japonais à San Francisco. Donc, voilà, il est né aux États-Unis. Et il a fait pas mal de photographies, notamment... Une photographie sur Pearl Harbor, donc voilà. Et nous, on nous dit, je préfère Top Sushi. Voilà, je dis ça, je dis rien. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Ah, je te jure. Vas-y, ok. Et il y a aussi un livre qui s'appelle Somewhere, donc il faut aller voir. Ça peut être pas mal si vous aimez bien le Japon et la guerre, notamment de Pearl Harbor. Ça va, David? Tu sais que j'ai pas la tête à l'envers quand même. Dis ça, je dis rien. Vas-y. On va aller du côté de la Normandie. Je regarde les bêtises de Virgile. Les bêtises en pleine émission, les gars, on évite quand même. Un de vos collègues est en train de faire sa chronique quand même. Vas-y, Gaëtan. On va aller du côté de la Normandie où il y a des... Dans la forêt près de Rouen, sur 4 km, il y a des œuvres d'art qui sont mises, donc assez originales à voir. Il y a par exemple une œuvre d'un artiste danois. Des balançoires XXL, donc voilà. C'est des œuvres d'art qu'on n'a pas l'habitude de voir, donc de nos paysages. Et puis voilà. Donc, si jamais vous passez du côté de chez Dorian, bah allez voir. Ah bah, tiens. Mouloud, il préfère le bois de Boulogne. Tu sais ce qu'il te dit, Mouloud? Dommage que je sois à l'antenne parce que je t'aurais dit plein de trucs. Vas-y, Gaëtan. Et Dorian, j'ai des nouvelles. Oula. Alors, j'ai mis une story dédicace à Virgile par rapport au TER. Ouais. Et j'ai écrit Virgile, t'as à toi. Et il m'a répondu, salut. Virgile, lui, a des bons d'achat. Ah bah tiens. Ah bah voilà. Il le connaît tellement que maintenant, voilà. Ah là là. Ce qui est bien de ces œuvres d'art, vous pouvez les voir jusqu'en 2026. Ah oui, on a de quoi. Ah, David, le week-end prochain, il va participer à Miss Papier Toilette. Très intéressant. Miss Papier Toilette? Oui. Je sais pas, il a inventé un nouveau concours qui s'appelle Miss Papier Toilette. Ah, après, il y a peut-être ça, mais aux États-Unis. Oh, je pense, oui, parce que chez nous, c'est. Il y a pas mal de concours de Miss, tout ça. Et oh, mais là, mais Gaëtan... Avec des idées farfelues, des noms farfelues. Oh, bah, c'est plus que farfelu, là, Gaëtan. Miss Papier Toilette, faut le faire, quand même. Après, il y a bien du... Virgile, ils utilisent Instagram des pour... Concours, des concours du mangeur de frites, qui mange le plus de frites, le plus de hot dogs, enfin voilà. Nous allons couper les Instagram, messieurs. On n'est pas à l'abri de... Oui, de certains concours, oui, c'est sûr. Virgile, arrête tes SMS, s'il te plaît. Ah là là, vas-y Gaëtan. Les marchés de Noël commencent à venir, donc voilà, Gaëtan, ne spoil pas trop Noël, parce que je t'ai préparé pas mal de petites choses sur Noël, donc ne spoil pas, s'il te plaît. Virgile, il aime... Non, on va éviter de dire ça à l'antenne, Yuri, si tu préfères. On va peut-être s'éviter quand même de dire ce genre de commentaires un peu pourris. On va éviter. Hein, DMC, je pense que tu l'as vu. Merci. Oui, je viens de rejeter. Là, quand même pas, Yuri. Je vais pas le dire quand même parce que c'est un peu vulgaire. Ah, non, il est violent quand même, faut qu'il se calme. Faut savoir que monsieur Yuri est en manque. Enfin. Ça regarde que lui. Pourquoi faire incruster dans l'émission? Monsieur Yuri, tu feras ça après l'émission si tu veux. Mais pour l'instant, on va pas parler de ça pendant l'émission. Ah vas-y, allez Gaëtan, il te reste 5 minutes. Monsieur Yuri est en manque et David a sommeil. On a compris. Allez Gaëtan. David est à sommeil. Vous êtes grave. Allez, laissez parler Gaëtan. Comme ça, David est à sommeil, mais c'est parce qu'il fait trois la fête, voilà. Non, j'ai travaillé. C'est moi qui ai travaillé plus aujourd'hui, je crois.
Je t'enverrai mon planning. Possible. C'est moi et Mehdi qui a travaillé le plus hein, avec toi. Bref, vas-y Gaëtan. Et l'autre, il s'en fume tout seul de son côté. Heureusement qu'on n'est pas à côté de toi. Vas-y Gaëtan. Enfin voilà, moi ce week-end, du coup, je vais voir le Père Noël là, dans le centre. Laissez-le parler quand même. Le Père Noël ou ça, Gaëtan. Le Père Noël est une ordure, vous êtes crabe. Au centre commercial de Paris-Giverny. Donc, mais attends, je te rappelle que le Père Noël, il a une barbe blanche et il a des cheveux. Quel rapport? J'aurais évité de faire cette blague quand même. T'as dit que t'allais voir le Père Noël. Bon, oui. Je suis désolé. Le Père Noël, non, c'est ça? Ouais, mais je suis désolé, mais là, je suis désolé, mais là, je suis obligé de. Parce que celle-là, Père Noël a des cheveux. J'ai pas compris la blague. Moi non. Bref. De quoi? Non, t'as dit le Père Noël a des cheveux, c'est pour ça, t'es con. Oui, mais le Père Noël a des cheveux blancs, il a une barbe blanche. Ah oui, ok. Je n'ai pas vu ta carrure, mais il a un gros ventre. Yori, et il nous dit, et il a des poils. Mais j'ai pas dit faire, j'ai dit aller voir. Ah oui, ah ok. C'est pas pareil. Et tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, il a son maillot, on le voit, il disparaît. J'ai vu ça à la radio, même à la télévision. À Toulouse, ils recherchent des Pères Noël, des gens qui fassent le Père Noël. Bah, vas-y, fais-le. Bah, ça va loin, mais à Toulouse. Voilà. Bah, y a des gens qui... fais-le. Oh ma pauvre Maria, Au lieu de critiquer, des chants cantiques, eh ben dis donc, tu dois te passer une soirée de merde. Allez, continue Gaëtan. Voilà, mais je voulais aussi parler un peu de l'actualité, la météo. Ah oui, Il neige en Normandie. Mais non, mais il neige pas qu'en Normandie, il neige dans toute. Il y a 49 départements qui ont été mis en alerte neige et verglas pour cette nuit. La Normandie, l'Île-de-France, et après. Ça n'empêchera pas Virgile d'aller bouffer de la merde. Hein. Ça n'empêchera pas Virgile de bouffer de la merde avec la neige. Hein. Donc, Gaëtan. Ah bah non. Virgile, il va bouffer de la merde quand même avec la neige, hein, je te rassure. Non, elle s'est livrée une salade. Ce que je sais, c'est que les bus ne circulent pas en Normandie. On voit pas. Oui, j'ai vu le concert, elle doit s'emmerder. Oui. Ouais. Ah, il n'y a pas qu'en Normandie. Mais là, ça va être... Je ne dirai rien, mais demain, tu vas prendre cher, ça va être... Non, c'est en Nord, non. Le Nord, il n'est pas touché. On est habitué, on a 20 cm de neige. 20 cm, faut peut-être non. Pas déconner quand même. Pas chez vous, mais apparemment la Normandie, les 10. Côtes normandes notamment pourraient atteindre les 20 cm. Et quand on y pense, il y a 3 semaines, il faisait 25 degrés. Là, c'est l'hiver. Là, on peut pas dire que c'est pas l'hiver, mais ça caille. Hein. Oh, je sais pas vous, mais à Paris, ça caille. Je ne dirai rien, mais demain, tu vas prendre cher, ça va être ta soirée, Virgile. Ah oui, ok, j'ai compris. Ouais. Tant que ça revienne aussi, ok, j'avais pas compris. Et puis il y a aussi une petite pensée pour la Corse qui sont aussi touchés par. De toute façon, on va en parler demain dans la Libre Antenne, c'est notre programme justement, tout voilà. Ça. Donc. Et demain, n'oubliez pas, parce que l'Île-de-France est peut-être touchée par la neige, mais est touché aussi par la grève SNCF. Ouais, mais il y a pas grand. Ça va, c'est calme, c'est pas. Il y a pas grand chose. RATP. Oui, Virgile, tu vas rester à Dourdan demain. Tu vas te reposer. Virgile. Disons que Gaëtan risque de mettre 4 heures pour partir. Ça y est, il y avait longtemps. Alors, je suis désolé, mais c'est bête. Je suis en congé. C'est con. Congé et je bouge pas. C'est pas prévu que je bouge. Alors, mais c'est prévu que t'ailles à l'église demain. Oh. Tu vas avoir de la neige blanche.
tu vas avoir de la neige blanche et les cheveux blancs. Allez, voilà. On se fait une petite pause musicale et on revient dans quelques instants dans le Medi & Co. Allez, à tout de suite. Le Medi & Co. revient dans quelques instants. Juste après ça. Juste après ça. Le Medi & Co avec Mehdi et toute sa bande, 21h-23h en direct, sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux. Bah alors qu'est-ce qui se passe? Y a pas eu de jingle? J'ai dû. C'est comme d'habitude, j'ai dû oublier de mettre. Ah bah bravo Dempsey, c'est comme la semaine dernière, c'est quoi ça? Il a oublié le dernier jingle. Bon, on est de retour pour la dernière partie de cette émission. Franchement, bravo. Il y a eu un blanc. C'est bien le blanc qu'il y a eu. Excusez-nous, mais il a oublié de mettre un jingle. Comme la semaine dernière, c'est pas du tout sérieux. Hein. J'ai travaillé jusqu'à 5h du mat
pour et tu peux même à le travailler ou t'as joué à... moi j'ai vu Mehdi et DMC sur TikTok quand je me suis endormi vers 11h hier soir. Oui, on était sur TikTok, oui. Mais on avait travaillé avant. Mais voilà. Après, c'est des moments de détente. Mais on a bossé tout à l'heure déjà avant des problèmes de radio. Donc, Non, mais rappelle-toi, Mehdi, je te l'avais dit, j'avais bossé jusqu'à Oui, ça je sais, oui, mais bon. Bon, vous voulez le jingle? Allez. C'est ça que vous voulez? Allez, on se l'écoute. Vous voulez le jingle, c'est ça? Attendez, 2 minutes. Non, c'est bon. Alors. Parce que sinon, vous allez être capricieux. Le Mehdi & Co avec Mehdi et toute sa bande, 21h-23h en direct, sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux. Là, il est content, il a eu le jingle. Mais c'est vrai que la semaine dernière, tu nous as fait le coup aussi, Dems. Oui, non, mais j'ai travaillé jusqu'à 5h du matin. Même pour être sûr, tu vois, je vais essayer de vérifier pour demain. Parce que à tous les coups, j'ai fait pareil. Je sais pas, mais... Non mais ce que je me suis couché. Non mais je te l'avais dit oui. Jusqu'à 5h du mat, je me suis j'ai travaillé pour voilà préparer la playlist, etc. En plus, monsieur Mehdi de base, c'est lui qui fait la diffusion le mercredi pour le Mehdi & Co et moi la libre antenne. Mais ça, voilà, ça mais reprendra normal la semaine prochaine, donc t'inquiète pas. Mais après, voilà, c'est parce que monsieur il a mal au bras. Voilà. Je peux pas faire les deux. Déjà la vidéo c'est voilà, c'est plus facile que faire la radio et la vidéo, mais voilà. Après, on verra. De toute façon, moi, de base, je prends le direct le mardi, le jeudi. Qu'est-ce qu'il y a et toi, Virgile, tu restes chez toi, pas de ciné. Mais j'ai encore enlevé parce qu'il y avait d'autres messages un peu plus vulgaires, donc je les ai supprimés parce que voilà, on nous a dit que Virgile préfère autre chose que les ciné. Voilà, des trucs à caractère, voilà. Vous m'avez compris. Donc à j'ai caractère affolant, oui. Voilà. C'est un truc, c'est affolant, ouais. C'est ça. Et on nous dit que Virgile. Voilà. Mon petit doigt me dit que Virgile paye sa tournée samedi prochain, David. Je sais pas pourquoi, je. Voilà. Je dis ça, je dis rien. On verra. Hein. Ah, on verra. Champagne. Ah là là là. Champagne. On verra quand Gaëtan saura sortir sa carte bancaire. C'est ça. J'ai jamais vu un midi, on n'a jamais vu la carte bancaire Virgile. Il paye avec son téléphone, donc t'as pas de chance. Rare. Il paye avec son téléphone. Si, à l'époque avec Dodo. Oui, voilà. Oui, oublié, David. Oui, Dempsey. Oui, on a un message de Gaspard qui nous dit Virgile, tu me payes le McDo. Un message où ça? Non, je rigole. Ah oui, monsieur. Il l'a pas vu. Je l'aurais vu quand même. Oui, allez, Virgile. On va faire comme Fredo, on va aller au Lidl. Ah non, on va peut-être éviter dans le Lidl, non, ça va. Hein, non. Ah, non, on va quand même éviter. Parce que je te rappelle qu'on a 4 heures de tournage, donc il faut quand même qu'on ait de quoi manger un petit peu avant quand même. N'est-ce pas? Ça va, oui. Voilà. Ouais. Une salade pour Virgile, ça c'est une obligation. Donc allez Virgile. En sauce. Une salade sans sauce. Oui. Que la salade verte. Comme ça ira très bien. Allez, ils ont franchi. Bah, ils en font chez McDo à 50 mètres, en plus, ça tombe bien. Chez McDo. Mais lui, pourquoi tu veux pas être ambassadeur de McDo, tiens? Ou de Burger King, non, ou KFC, hein, c'est pareil. Non, pas chez McDo, en plus, je rigole. Les sauces piquantes. Oh, c'est dégueulasse. Ah. C'est dégueulasse. Une salade à la sauce piquante, c'est bon, ça. Allez, Virgile, on t'écoute pour ta chronique Actu Ciné. Tout à fait, bon, on finit avec la chronique Actu Ciné de cette semaine. On commence avec la plus grande, plus précieuse des marchandises. Voilà, animation dramatique réalisée par Michel Hazanavicius avec Jean-Louis Trintignant, Dominique Blanc et Denis Podalydès. Diamant Brut, drame réalisé par Agathe Richter avec Malou Kibzi, Idir Azougli et Andrea Vescon. Le Panache, comédie dramatique réalisée par Jennifer De Volter avec Joachim Arzegel, José Garcia et Or Akika. Les Tempêtes, fantastiques. Oui, Les Tempêtes, merci. Réalisé par Dania Raybon avec Camélia Jordana, Kalel Benassa et Shirine Boutela. On continue avec Le Choix, drame réalisé par Gilles Bourdos avec Vincent Lindon, Emmanuel Devaux et Micha Lescot. 37, L'ombre et la proie. C'est un thriller réalisé par Arthur Mollard avec Guillaume Potier, Mélodie Simina, Agnès Girdoulon.
pièce by pièce. C'est un biopic réalisé par Morgan Neville avec Pharrell Williams, ah. Shaw Halley et Chad Hugo. Enfin, on termine avec Prodigieuse. C'est un biopic réalisé par Frédéric et Valentin Potier avec Camille Raza, Mélanie Robert et Franck Dubosc. Voilà pour votre actu SVOD ciné. Non, SVOD ciné, non. Actu ciné, tu veux dire. Pas pareil. Oui, ouais, voilà. Alors, oui, c'est quoi ton petit coup de cœur, me dit l'homme. Je pense savoir actu que c'est. Actu ciné, ouais. Alors, c'est quoi ton petit coup de cœur, Alors, à votre avis, qu'est-ce que ça pourrait être, mon coup de cœur? Je sais pas. Gladiator. Ah. Non, perdu. Bah, le coup de cœur, c'est Prodigieuse. Claire et Jean, jumelles pianistes virtuoses, sont admises dans une prestigieuse université de musique dirigée par l'intraitable professeur Klaus Landertz. Elles portent ainsi l'ambition de leur père qui a tout sacrifié pour faire d'elles les meilleures. Mais une maladie orpheline fragilise peu à peu les mains et compromet brusquement leur ascension. Refusant de renoncer à leur rêve, elle devra se battre et se réinventer pour devenir plus que jamais prodigieuse et pianiste. D'après une histoire vraie. Voilà pour mon coup de cœur. Ok. Ok, mon petit Virgile. Eh ben, on te retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques Actu Ciné et SVOD. Et je pense qu'il y a un beau programme pour Noël, parce qu'on vous tourne un spécial Noël la semaine prochaine. L'émission est prête, donc j'espère qu'on va bien s'éclater. N'est-ce pas, monsieur Biestada? Oui, ben, merci de m'avoir suivi aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre chronique Actu SVOD, série et film. Et la semaine prochaine, nous avons Bilout qui nous rejoint sur Paris. N'est-ce pas, Bilout? Ah. Hein? Je ramène le 3. Moi, j'ai 10 degrés de moins que vous. Ah la vache. Ah oui, tu dois te les cahier quand même, David. Il fait froid. Ah là 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 là. Le chauffage est rallumé. Tiens, David, si tu nous faisais, on a le temps. T'as le temps de nous faire toi, ta petite évaluation de la semaine. T'as pas fois qu'on a le temps. Alors, ça fait un mot que je fais. Et là, je n'ai pas... Bon, je vais essayer d'improviser. Bah alors Laissez-moi réfléchir, attendez. Oh là là, David. Combien de départements... Donc, Gaëtan ne répond pas. On coupe. Combien de départements vigilance neige? Je crois 49. Qu'il est... Ouais. 49. 49. Et toi, DMC? 49. Encore pour Gaëtan. À quelle place est-il arrivé à son concours qu'il a remporté? Il est arrivé dauphin. Voilà. Dauphine. Dauphin, on dit pas dauphine. Oui, mais c'est-à-dire... C'est-à-dire... Bah, c'est deuxième place, je suppose. Ouais. Voilà. Et on nous dit, et la pince invite tout le monde. Premier dauphin. Et on nous dit, la pince invite toute l'équipe. Donc la pince, c'est 0 euros, je suppose. Voilà. Ah. Alors, je réfléchis. Bravo, Gaëtan. Dans quelle capitale, Mehdi, a-t-il été hospitalisé? Capitale? Off. Hôpital ou capital? Ah, quel hôpital? Je suis même pas sûr que quelqu'un a retenu. Pourquoi c'est pour GMT, Gaëtan et Virgile? La vie de la chaise, non, non, comment ça s'appelle? Bichat. 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 Bonne réponse. Si, je m'en rappelle. Quel était le premier son du jeu de Dempsey? Cyprien, je crois. Cyprien, ouais. Cyprien. Allez, dernière question. Jacques Chirac. Il retient bien, David, c'est bien, il retient bien. Hein. T'as vu, j'ai quand même retenu l'émission. Ah oui, oui. Allez, dernière question. Il est décédé en 2019. Une dernière question, on ramène tes fesses, Yuri, on t'attend. Tiens, monsieur Gagarine, pourquoi tu nous appelles pas au standard pour qu'on rigole un petit peu, tiens? Vas-y, appelle-nous, hein. Tu connais le numéro, hein. 09 72 16 48 42. Attends, j'appelle. Faire ici. Allez, appelle-nous. Comme ça, au moins, tu vas régler tes comptes. T'appelles pas. Il va régler ses comptes comme ça. Les dernières questions. Pour quelque chose. Alors, d'accord. Un truc que Virgile a dit. Ok, vas-y. Dans quelle plateforme va fermer en 2025? Disney Plus. Disney Plus. Bravo. Voilà. Miss Normande Champignon? C'est qui? Je suis entre. C'est Gaëtan. Et en plus, juste au-dessus, il dit je suis en train, trois petits pois. On veut pas savoir. D'accord? On s'en fiche. Plouf. Ah là là. Alors, sinon, moi, pour finir, j'ai quelques infos sportives. Ah bah, on t'écoute, Gaëtan.
Un champion du monde français de 1998 revient en tant qu'entraîneur. Bah, il a déjà entraîné des clubs. Son dernier club, c'était Strasbourg, si je m'en souviens bien. C'est Patrick Vieira qui revient entraîner, mais en Italie cette fois-ci, en Serie A, qui reprend Genoa, le club de Genoa. Oula. Et il s'est engagé. Un autre champion du monde, mais côté brésilien de 2022, c'est Ronaldo. Ronaldo qui rêve de prendre la présidence de la Fédération brésilienne de football et qui a un rêve, c'est nommer Pep Guardiola en tant qu'entraîneur, mais apparemment Pep Guardiola va être prolongé d'un an de plus à Manchester City, donc pour l'instant, bah, il est bien Pep Guardiola. Ça fait un moment qu'il est déjà à City. Je ne sais plus combien de temps. Moi, je connais Radio City. Hein, comme c'est. On connaît Radio City. C'est autre chose. Elle n'existe pas, je te rassure. Ah, je te jure. Je voulais parler aussi d'un club italien en Serie D. Il s'est passé quelque chose d'incroyable et quasi du jamais vu. Il y a 10 jours de ça, et, un club italien vire son entraîneur. Ils en prennent un autre, nouveau. Et le vire aussi ? Le vire. Oh, également, d'accord. Le lendemain, je crois, ou quelques jours là, quelques jours avant, ils en prennent un autre. Au final, ils le virent. Oh, oui, d'accord. Et là, ils ont repris l'autre entraîneur qui était en premier. Oh là là, mais c'est quoi ce club là, franchement, ouais. C'est assez hallucinant, farfelu. Ah bah oui. C'est assez rare, mais voilà, ça s'est passé. Donc voilà. Mm-hmm. Pour les pongistes français, bah, c'est terminé la saison. Donc Félix Lebrun a eu un échec là sur le dernier tournoi. Il a été éliminé par Duda. Dès les huitièmes finales, donc on va féliciter les frères Lebrun qui ont fait une ascension hallucinante depuis les JO sur le classement des meilleurs pongistes, donc voilà, quatrième. Ils ont été invités sur le plateau de juste prix. Hein ? Ils ont été invités sur le plateau de juste prix. En plus, ils ont fait des super JO, donc ils nous ont ramené une médaille, donc c'est bien. Ils ont eu une ascension hallucinante et je les félicite. Donc on les félicite. Bien sûr. Et on nous demande comment. Une question pour toi, David. Comment tu te prépares pour les 12 coups, Bilout ? Ah, en fait, je révise un peu. Voilà. Après, c'est assez dans longtemps, mais on va vite y être. Alors, je ne sais pas s'il doit acheter une belle tenue parce qu'on passe le Mardi Gras. Donc, est-ce que ça va être déguisé ? Je suis un peu indécis pour la tenue. Voilà, après... Ils t'ont pas prévenu ? Moi, Christmann, il y a 10 ans. Ah oui ! Et je me dis, 10 ans après, je suis candidat, ça fait bizarre. Et tu vas avec qui là-bas, alors, David ? Alors, je ne sais pas si je vais être libre. Je me suis dit par rapport à mon boulot. Je travaille le mercredi et les enfants de primaire, on est en train d'organiser un bus pour qu'ils viennent. En accord avec JR Productions, etc. D'accord. On nous dit Virgile est déjà déguisé. Donc. Mais Yuri et Mehdi, je t'avais envoyé que vous pouvez venir dans le public, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, Damsel. Tu vas venir avec ta médaille comme t'es venu dans une émission. Une célèbre émission d'M6. Une célèbre émission d'M6. Deux même d'M6. Oui, deux. Elle voyait avec ta médaille du coup ? Je sais pas, ils m'ont pas encore demandé, mais je pense. Ça passe ce Mardi Gras. Pour moi, il a pris par rapport au prince du carnaval. Oui, Virgile, tu voulais rajouter ?
David, dans 7 jours au TER, au TGV, je veux dire. Il rembourse 75 euros. Pourquoi dans 15 jours ? Non, je disais, David a dans 7 jours à la sortie du TGV pour le café. Ah non, non, je vais venir tout seul. Je vais venir tout seul. Mehdi m'a payé un Uber. Oh bah, et puis quoi encore ? Non mais oh, oh. On est gentil déjà. C'est Yuri qui vient le chercher. Ouais, et à quelqu'un en secret qui vient le chercher. Non, sa maîtresse. Il a une maîtresse à Paris, David. Voilà. Donc, David, tu fais ce que tu veux. Ça te regarde, il, ça, il David. Va aller, il va aller se détendre. Je vais rester dormir à Paris. Oh, bah, et pendant ce temps-là, Gaëtan prépara le plateau avec les cafés, les sandwichs et la brioche, parce que comme il est Dauphine et qu'il a gagné, il va nous inviter, il va faire sa tournée sur le plateau. Et s'emballer à Mars aussi. Et s'emballer à Mars. Ouais. Donc, oh là là. C'est pas prévu, hein. Ah là là, on va bientôt se quitter, les enfants. On se retrouvera mercredi prochain pour une nouvelle émission. Et samedi prochain, on se retrouve avec toute la petite équipe. Et demain soir, l'équipe est avec nous pour une petite surprise. N'est-ce pas, monsieur Biesiada ? Soit à l'heure. Et demain, d'ailleurs, demain, on va parler. Bah, y a eu des nouveaux rebondissements dans l'affaire Palmade. Il part en prison dès demain. On peut en parler. Dès demain, il est en prison. Donc comme ça, il va en prison dès demain. Et du coup, apparemment, on va savoir le lieu du tournage de la prochaine saison de Emily in Paris. Voilà, le lieu du tournage. Il y aurait des rumeurs que Brigitte Macron va jouer dedans. Elle a déjà joué dedans, de toute façon. Ouais, ça a déjà été fait. D'accord, ok. Bah, on saura ça. On va essayer de parler tout ça demain. On va aussi vous parler d'autres actualités, je pense. Et avant, on aura... On a parlé de d'esthétique. Exactement, on a 45 minutes avec un certain docteur, donc soyez au rendez-vous. Oui, je pense que ça va être pas mal. Gérald Kierzek. Non. Peut-être. Non. Peut-être. Le docteur le docteur hospitalier, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Sidi Mohamed. Sidi Mohamed, c'est ça? David Mohamed. Oh. Et en plus, docteur Salomon. Je lui ai déjà commencé à lui parler de certaines petites choses parce que on se parle par SMS pour organiser pour demain, donc je lui ai déjà parlé de certaines choses. Donc il est déjà au courant de certaines choses, donc voilà. Oui, on va parler d'hypnose. Je vais faire la sieste. Non. Il viendra aussi nous parler de son livre, parce qu'il a sorti un livre sur un certain sujet, donc ça fera l'occasion d'en parler. Mais ça sera demain dans la libre antenne avec toute l'équipe, donc j'ai hâte, et l'équipe du Medienco aussi viendra nous rejoindre, n'est-ce pas, monsieur Virgile ? Sans rendez-vous, oui. Petite surprise pour toi demain. Oui, j'ai un rendez-vous médical, je serai en retard. Oui, c'est ça. Allez, cinématographique. Allez, bonne fin de soirée. L'émission sera disponible en podcast comme d'habitude et on se retrouve demain pour la libre antenne. N'est-ce pas, mon petit Demsèche ? Salut, bonne soirée, bonne nuit. Ciao, bonne soirée. Bah attends, ça va pas couper encore. faut parler, j'ai dit, j'ai pas fini. Et monsieur David, on t'attend de pied ferme samedi prochain. Hein. Oui, faut pas qu'il y ait une grève. Hein. Non, il n'y a pas de grève, t'inquiète pas. Tout est organisé, tout est... Par contre, les vacances de Noël, il y aura des grèves. Ah oui, bon, ça on a l'habitude avec la SNCF. D'ailleurs, ça sera mon coup de gueule, d'ailleurs, la SNCF demain. La SNCF qui offre des bonbons dans les TER. Il y a les agriculteurs aussi. Oui, il y a les agriculteurs aussi, on les voit, on va parler de ça aussi, parce que franchement, les pauvres, là, ils sont en train de bloquer les routes, donc on en parlera demain dans la libre antenne. Grand soutien aux agriculteurs. Exactement. Grand soutien, c'est vrai que c'est pas facile. Et merci aussi, on remercie aussi la radio partenaire de nous diffuser aussi ce soir. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on a quand même failli de pas diffuser. Bon, en plus. Allez, à demain, bonne fin de soirée à tous et prenez soin de vous. Allez, à demain, ciao. Ciao. Le Mehdi & Co avec Mehdi et toute sa bande revient mercredi prochain de 21h à 23h en direct sur votre radio et en live vidéo sur les réseaux sociaux.